Salut les puces, comment ça va aujourd'hui?
Attendez, je vais nous mettre de la musique là. Comment vous allez? Comment ça va tout le monde? Comment ça va depuis hier soir? La musique. La musique dans la peau. Comment ça va tout le monde? Coucou Patate Douce, coucou l'utile, c'est l'aîné. Léa est là. Coucou, coucou, bien sûr. Coucou tout le monde. Comment ça va Loropi? Gameuse, comment ça va Sim chérie? Lizo, comment vous allez? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous avez vu? Ouais, voilà. Hello Capanz et hello le chartine. Voilà, est-ce que vous avez vu le chartine? On le voit bien là. Il est tellement flippant. C'est incroyable. Trop contente de revoir chartine. Ah d'accord, même pas moi. Comment ça va bien? Coucou Wicked Witch, comment tu vas? Comment vous allez ce matin? Enfin, ce midi même. Coucou Luna, comment ça va? Bon, écoutez, ça va. Pas fait de cauchemar du chat tartine. Par contre, il y a mon micro qui veut se barrer. Donc, voilà. La belle œuvre d'art derrière, putain. On s'en souviendra, hein. Du chat saucisson, là. Si vous n'avez pas vu le live d'hier, c'est pas grave, mais regardez les clips. Regardez les clips, ils sont très drôles. Coucou Lunula, comment tu vas? Maintenant, on préfère chartine. Ah, c'est chartine qui va live aujourd'hui. C'est chartine qui va nous dire si Brooke est enceinte ou pas. Putain, mais ça me casse les couilles, ça. Allez, ça commence déjà les insultes, pardon. Pardon, pardon. Coucou Kylian, merci beaucoup. Et coucou Angel. J'ai pas encore vu la rediff. Contente d'être myope. Voilà. Ah, j'hésite à la mettre sur YouTube tellement j'ai honte. Hein. Vraiment. Entre mon rire horrible de cochon et tout, là. En vrai, il rend pas si mal, ouais. À la lumière du jour, au loin, comme ça, ça va. Après, quand tu sais comment il a été créé, bon, tu sais qu'il faut mieux pas le voir de près, quoi. Mais en vrai, c'est rigolo d'ici. J'avoue. Mon mec est rentré bourré de son barbecue. En plus, c'est japonais qui boivent tout le temps mais qui tiennent pas à l'alcool. Mais non! Pas vrai. À ce point... Ah ouais, non, mais... Faut briefer Luna sur ce qui s'est passé hier soir. Hein. C'était une catastrophe. En fait, j'avais mis... Ah, mais merde, j'ai pas enlevé les points swipe. Ah, je suis trop bête. Attendez, faut que je modifie, du coup. J'avais mis des points spéciaux, des petits points de chaîne, où en fait on pouvait swiper entre mon activité, donc la peinture, et celle de Rob, donc il joue aux Sims. Et du coup, en fait, les viewers pouvaient échanger, et en fait, ils m'ont collé à la peinture au moment des yeux. Je peux te dire après qu'ils ont regretté et qu'ils ont remis Rob à la peinture. attendez, je vais modifier parce que j'ai oublié d'enlever les petits points de chaîne depuis hier là. Récompense des spectateurs, voilà, voilà. Hop, j'enlève le swipe, parce que ce n'est plus nécessaire. Vous n'allez pas me faire swiper entre moi et moi-même, hein. C'est plus possible. Allez, on swipe, allez, usez tous vos crédits, wouh, qu'on vous rembourse. J'ai regardé la rediff, j'ai pleuré de rire. Non mais, il y a eu des moments vraiment, c'était quelque chose quoi. Le moment des yeux en particulier, je m'en souviendrai, vraiment je m'en souviendrai. Je pars chez le coiffeur dans une minute. Oh, trop cool! Trop trop cool, ça va faire du bien ça, Luna. On voulait plus faire de swipe après le chartine au beurre noir, je te jure. Le chartine conjonctivite. Vous avez dit non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. En vrai, attends, on va regarder de près là. Je l'ai mis là comme ça, mais. Eh si, en vrai, maintenant qu'il a séché, il est pas si mal, hein. Regardez. Franchement, il est plutôt chou. Franchement, ça va faire du bien. Mais c'est, non, mais c'est parce qu'elle a pas trop le moral, Luna, donc ça va lui faire du bien d'aller chez le coiffeur. Mais non, pas ça va faire du bien en mode elle en a besoin. Oh non, bichette. Enfin, si, elle en a besoin pour son moral, mais elle est belle, peu importe sa coupe de cheveux, bien sûr. Mais non, mais regardez mon chat. Enfin, je dis mon chat, franchement, si Rob l'avait pas fait, l'avait pas sauvé, voilà. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Ah oui, à la lumière, il fait moins peur déjà. On est d'accord. C'est vraiment la cam hier soir qui faisait peur. Attendez, je vous le rapproche au max. Franchement, c'est pas si pire aujourd'hui, je trouve. Oui, je sais, t'inquiète, Coco. T'inquiète, Lizo, bah tant mieux alors si ça te convient cette heure-ci. Hop. Yeah. C'est pour ça que je fais des streams un peu à toute heure, des fois en soirée, des fois en journée, des fois le matin. Parce que je sais que bah, certains préfèrent certains horaires, quoi. En vrai, il est cool. Ouais, en vrai, je regrette pas. Voilà, hier soir, c'est vrai que j'étais un peu en mode, bon, qu'est-ce qu'on va en faire de ce chat dégueulasse? Mais finalement, ça va. Finalement, ça va. Alors, aujourd'hui au programme, pas de peinture, Dieu soit loué.
Malheureusement, pas d'aventure de Soso, hein, pour ceux qui étaient à la soirée pyjama, vous savez. Je suis très curieuse de savoir ce qui va arriver à Soso dans les prochains épisodes, mais nous ne sommes pas là pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir si Brooke est enceinte ou pas dans le petit In the Spotlight Challenge. Putain, il faut que j'ouvre mes règles, parce que c'est mon challenge, mais je me rappelle jamais des règles. In the Spotlight. Tac. Si vous voulez le lien, vous aussi, des règles, vous faites point d'exclamation Spotlight dans le chat et vous pourrez aller lire les règles vous aussi. A plus tard, Luna. Merci beaucoup d'être passée. Choquée et déçue que Soso aille pas à l'université, Sims, purée. Ce serait trop drôle. Ce serait trop drôle. Attendez, je mets ça là. Voilà. Ça t'a manqué, Lizo, c'est vrai ? C'est vrai que ça fait un moment, ça fait 2 semaines, non ? Peut-être pas quand même. Non, je veux retrouver la géométrie, géométriquement géométrique. Je te jure. Oh, c'est un délire, ce jeu, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, pour résumer ce qui s'est passé dans le dernier épisode de In the Spotlight, je me rappelle même plus. Attendez, on va se remettre en jeu, comme ça on va se remémorer un peu le truc. En vrai, quand on aura fini le jeu épisode, on pourra réfléchir à un let's play université avec Soso. Je suis mort. Donc, petit écran noir, vous connaissez. On arrive en jeu. Putain, ça me fait trop rire, même sur cette cam là, on voit le chat. C'est trop drôle, sérieux. Du coup, quand on est en jeu, est-ce qu'on peut se remémorer ce qu'on a fait ? Ah putain, il n'y a plus d'électricité, c'est vrai. J'ai oublié pourquoi. La journée d'économie d'électricité a commencé. L'électricité sera coupée pendant les 12 prochaines heures, c'est ça. C'est ça, donc déjà ça c'est chiant parce que du coup, elle ne peut pas taffer. Qu'est-ce qu'elle fait ? Admirer. On ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Je crois qu'elle est... elle était célèbre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, encore à un niveau... ouais... Niveau 1, ok, elle a pris un point de notoriété. Lui, il n'est pas encore célèbre, il me semble, parce qu'on s'était rendu compte qu'il était hors des projecteurs, mais ça va aller vite. Et elle, elle est au boulot, ouais, bon, elle travaille en tant que magasinière ou je ne sais plus quel truc. Et elle est célèbre aussi, elle a pris un point également. Très bien. Donc là, il faut qu'on se focus sur Spencer pour qu'il ait son premier point de célébrité. Coucou Zélie, j'étais pas là au dernier live, celui d'hier soir. T'inquiète pas, c'est pas très grave. T'as rien loupé, on a fait cette peinture-là. Hop. Oui, les modes chat tartine, ce serait ouf, mais c'est avec les yeux dessinés par Capanz ou rien. Purée. C'est vrai qu'il faut que je fasse une émote comme ça. Ce qui s'est passé, Brooke est sûrement en cloque. Oui, parce que Brooke et Spencer ont eu une petite histoire, on va dire comme ça. Et là, du coup, on a toujours le truc pour... ouais, on fait un test. Faut faire un test de grossesse. Ok, vous voulez qu'on commence par ça, du coup ? Qu'on crève l'abcès de suite ? Savoir si elle est enceinte ou pas. Mais elle peut aller aux toilettes faire un test. Oui, bien sûr, elle peut. Vous voulez qu'on fasse ça, du coup ? Oui ? Allez, let's go. On va découvrir ça tout de suite. Faire un test de grossesse. Bah, elle est déjà surexcitée. Attends, tu sais pas. Tu sais pas. Si elle est enceinte, c'est le bordel monstre. Moi, j'ai pas envie, hein. Franchement. Putain de merde. Ah oui, j'avoue, la prédit, ouais. Oh, fait chier. Elle va lui dire, là ? Mais non, mais vous êtes pas amoureux non plus. Oh non, vas-y, c'est... Ça m'arrange pas le business, ça. Mais en vrai, ça va peut-être être une bonne idée, cette histoire. Pourquoi il joue de la guitare, lui ? Il est enjôleur de fou. Moment romantique en vue. Moment romantique en vue. Ah mais oui, c'est bientôt la Saint-Valentin ou je sais pas quoi. Let's go, drama, drama. Ouais, un bébou ou plus. Bah, faut espérer que pas plus quand même. Est-ce qu'elle peut déjà aller... Putain, alors elle va tomber des nues. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un petit flirt aussi. Lupita, Brooke, quoi. Il y avait Brookita. Attendez, je vais regarder vite fait la musique, là. Tac, tac, tac. Je vais la baisser un tout petit peu, celle-ci, là. Voilà, parfait. Il y avait aussi un délire Brookita. Donc en gros, Brooke, elle savait pas trop si elle préférait Spencer ou Lupita. Maintenant, elle se retrouve enceinte, évidemment, de Spencer, donc un peu compliqué. Lui, il se voit marié avec le Golden Retriever et la maison en banlieue. Ça y est, je te jure, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Après, j'imagine bien Brooke quand même se retrouver à vivre un peu avec lui dans une maison de célébrité et tout. Surtout s'il devient une célébrité, quoi. Enfin, surtout s'il devient famous, plutôt.
Ah, elle va parler à Lupita d'elle-même ? Discuter avec Lupita. Tu vas lui annoncer la nouvelle ? Je peux pas dire bonne nouvelle, je vais juste dire la nouvelle, hein, franchement. On veut un Brookita quand même. Franchement, ne jamais dire jamais, on sait pas, peut-être que ça va arriver. Qu'est-ce que tu parles ? On discute, ok. Partager ses incertitudes. C'est le premier épisode d'une série, ouais. Du coup, merde, j'ai pas fait gaffe. Attendez, il faut que je mette les petits sous aussi dans les tirelires, on n'oublie pas ça. Là, elle a 188 à mettre dans sa petite tirelire. Voilà, parce que le but, c'est qu'ils aient tous 10 000 simflous dans leur tirelire. Et là, on va ajouter 188. Ah non, mais attends, c'est ça, c'est le bonus 188. Purée. Ça, c'est le bonus 188. Et là, elle a eu combien ? Pour qu'elle était enceinte. Oh, mon Dieu, on sait pas combien elle a eu, là. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, merde. Ok, je verrai sur la rediff et du coup, j'ajouterai après. Dommage. Ta sœur, elle joue de la guitare comme un pied, si je peux me permettre. Ah, ça, c'est peu le dire, hein. Brooke qui vit en banlieue avec Spencer, mais le trompe avec Lupita. Il y a moyen que ça termine comme ça. Enfin, que ça termine, ça continue. Mais elle a une fixette, hein. Elle fait que d'aller admirer les bails, là. Baila Morena. Pardon. Attends, on va partager la grande nouvelle. Je sais pas si elle est grande, la nouvelle, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une nouvelle. J'ai hâte de voir sa réaction. Je sais pas du tout s'il veut des enfants ou pas, mais... on va voir. Trop chiant qu'il n'y ait pas d'électricité, vraiment. Ah ! Il y a Lupita en plus qui... Attends, elle se marre ou elle pleure ? Oh ! Attends, Lupita est trop heureuse, elle ? Mais par contre, Spencer était vraiment pas heureux, quoi. Il y a un truc qui... Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien du tout, ok. Et elle a... Bébé en route, très contente, ok. Ah, triste. Comment peux-tu ne pas te réjouir ? La moitié de Brooke a très mal réagi en apprenant pour sa grossesse. Brooke se sent dévastée, car elle est... Attends, quoi ? Car elle a... Je peux pas lire. Car elle, par contre, est heureuse d'attendre un enfant ? Quoi ? Mais pourquoi elle est heureuse, elle ? Désolée, je sais pas lire aujourd'hui. Bingo, avoir un bébé avec Lupita et oublier Spence. Mais je crois qu'on est obligé là. On va être obligé. Attends, elle va l'engueuler un petit peu. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire dans Famille et Grossesse, là ? Tromperie et fidélité ? Faire part de ses soupçons sur la proximité entre Spencer et Lupita. Ou peu importe qui d'autre, d'ailleurs. En fait, ça serait bien que ça soit à l'inverse. Hein. C'est plutôt Spencer qui va avoir des doutes à un moment donné, à mon avis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Comment ça, Wouhouhir ? Comme ça, là, en plein milieu du couloir ? C'est quoi ? Ça sort d'où, ce mode ? On peut faire un test de paternité, hein, à mon avis. Oh, putain. Attends. Regarde. Mais, ah, putain, j'arrive pas à cliquer. Je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui, moi. Regarde, test de paternité. Demander en mariage en raison d'un enfant ensemble. Imagine. Et merci Just Shine pour le Prime, merci beaucoup. Merci. Comment tu vas ? Et coucou Kimi, j'avais pas vu que t'étais là. T'es un peu crevée ? Oh, merci pour le sub. In the Spotlight, épisode 3, tension dans la villa. De ouf. Coucou Ambre, comment ça va ? Ouais, en vrai, pour le mariage, j'imagine bien ça possible à un moment donné. Par contre, tromperie et fidélité... Attends, non, pas ça. Grossesse et parentalité... Essayer de convaincre d'accepter la grossesse. Brooke ne peut pas faire ça car Spencer a besoin de plus de temps, ok ? Demander à Spencer s'il veut des enfants, bon. Voilà. Demander à garder le bébé ? Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais vous voulez qu'on le garde, vous, de toute façon ? On a une star dans le chat. Bah oui, bien sûr. Kimi. Est-ce que je peux utiliser la récompense de diriger le raid maintenant pour une copine qui a fait un sub-bâton ? Je sais pas si je pourrais être à la fin du live, c'est pour ça. Bah oui, mais n'utilise pas tes points. Dis-moi juste qui c'est et je vais la raid. Si elle est encore là, bah elle sera encore là si elle est en sub-bâton. On le garde pour le drama et la galère. On le garde, ouais, je vous en étais sûre. Alors on va demander à garder le bébé, attention. Avec Lupita qui joue de la guitare à côté. Ça me fume, ça... Aucun sens. Putain, mais on dirait qu'il décide de garder, je sais pas, un vieux jean, là. Oh, s'il te plaît, on peut garder notre vieux jean. Qu'est-ce qu'il a dit, du coup ? Il veut pas ? C'est notre bébé, partenaire ne voulant pas de... Le bébé, Brooke, on veut à la fois à sa moitié et à elle-même s'être retrouvée dans une telle situation. Elle a beau essayer d'être compréhensive, une partie d'elle-même en veut également à sa moitié d'être si peu enthousiaste concernant ce futur bébé qu'elle aime déjà. Mais Brooke,
Brooke quoi? Brooke. Attends, c'est quoi ça? J'aurais aimé vouloir le garder. Spencer sait que sa moitié souffre en voyant qu'il n'est pas heureux de cette grossesse, et cela lui fait terriblement mal de l'entendre le supplier de garder le bébé. Bah... Après, moitié, c'est un grand mot, hein. Voilà, ils ont juste Ken ensemble une fois, je dirais pas qu'ils sont non plus partenaires, quoi. Et du coup, Spencer, est-ce qu'il a un truc, là? Ah oui, c'est vrai, on avait choisi ça, commence à 9h vendredi. Il n'a pas fini la compétence guitare. On va faire ça. Faire de la gratte pour s'amuser, ok. Et compétence charisme, voilà. On va charismer Brooke. Amical, papotage peut-être. Voilà, illuminer la journée, des trucs comme ça. Pour faire augmenter la compétence. Tac, tac. Bon, il n'y a que illuminer la journée pour l'instant. Merci Quintino pour le lurk, merci beaucoup. Attendez, j'ai pas lu. L'hôpital attend jusqu'à ce qu'on le tège de ouf. D'accord pour Caro, pas de soucis. J'ai écrit moitié car partenaire, fallait l'accorder. Ah oui, non mais je comprends. Non mais t'as bien fait, Kimi, bien sûr. Oui, oui. C'était la minute de traduction. Trop mignonne. Oui, oui, non mais je me doute que c'est plus facile d'écrire comme ça. Mais c'est juste que dans leur cas, à eux, c'est juste un coup d'un soir. Un coup d'un après-midi même, je crois. elle l'écoute jouer de la guitare. Non mais elle est accro, hein. Regardez. C'est bon, elle s'imagine déjà la maison en banlieue et le Rottweiler. Hein. Ça. Peut-être pas le Rottweiler. Le Golden Retriever, comme ça avait dit. Alors, Lupita, comment tu vas, toi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Lupita, maintenant? Bah, on va continuer à faire des petits CD. Peut-être qu'elle a un truc, là, qui est sorti. Elle peut pas, pourquoi? L'électricité a été coupée. Putain, mais je suis conne. Elle est conne, cette fille. J'avais complètement oublié pour l'électricité, putain. Oh, elle va parler à... Discuter avec Brooke, ok. Non, Brooke, on te veut pas avec Spencer. Mais ça, elle a pas compris, elle. Hein. Elle s'en fout. Elle s'en fout, elle rêve de sa petite vie, là. Ça y est, elle est enceinte. Est-ce qu'elle peut aller à un... Oh, regarde, elle a peur de déménager et tout. Est-ce qu'elle peut aller à un... un rendez-vous déjà, là. Faire une échographie pour connaître le sexe du bébé. Aller à un cours d'accouchement. Ça coûte de l'argent, tout ça. Hein. Elle va utiliser les sous de la coloc, en plus, hein. Je la connais. Brookita Brooke. Ça va être le nom du bébé. Ok, elle y est partie. J'ai peur. J'ai peur. C'est marrant, elle n'a pas de bidou encore. Bon. Lui, il joue de sa guitare. Peut-être que Lupita, elle le regarde. Je sais pas. Vous vous rappelez qu'avant, il avait un crush sur Lupita quand même. Hein. Je sais pas trop où ils en sont. Elle revient quand, cette électricité de mort? Ça me saoule, là. Je vous jure. On veut l'électricité. Ah putain, je croyais qu'elle était revenue. Je croyais qu'elle était revenue, mais c'est cette équipe de football américain. Ah non, elle est encore partie un moment. Hein. À votre avis, c'est un garçon ou une fille? Moi, je pense que c'est un petit garçon. Petit garçon, ça me semble pas mal. Non, non, je fais durer le suspense, patate, attends. Lupita, elle va juste ramener une bombe à la maison, c'est ce que je lui souhaite. J'avoue que ça, c'est tout à fait possible, puisque vous avez créé des Sims. Il faut qu'on aille les voir, d'ailleurs. Fille, par esprit de contradiction. Merci, merci, Caneline, merci, j'adore. Les deux. Non, mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, moi, je pense à un petit garçon, quand même. Coucou, Evertime, comment ça va? Des quadruplés. Putain, non, par contre, si on a une grossesse gémellaire, c'est la mouise. Parce que là, déjà, le bébé, on le met où, en fait? Regardez sa chambre. Et en plus, tant qu'il n'y a pas 10K dans chaque truc, on peut pas... Ah, elle est revenue? Tu veux pas nous dire? Tu nous dis pas? Pourquoi elle nous dit pas? Oh, ok. Your baby will be born a girl. C'est une fille! C'est une petite fille! Un mec qui ressemblera à son père pour nous rappeler que c'était un con. une fille et bam, j'avais raison. Ouais. Une petite fille, en effet. Ok. Bah, ça lui va bien, je trouve, à Brooke d'avoir une petite fille. Elle va peut-être lui annoncer, non? Il veut pas en entendre parler, en vrai, il s'en fout un peu, mais bon.
Attends. Grossesse, parentalité. Essayer de les rassurer concernant la grossesse. Ouais, on va faire ça. On va lui dire, c'est une petite fille, trop mignon. Blablabla. Tu vois? Blablabla, très important. Parler de la déco de la chambre du bébé. Il a pas de chambre. Je t'annonce. Ah, voilà, annoncer le sexe. Et amour. Non, attends, pas amour. Qu'est-ce que je fais? Là. Hop. Je sais pas. S'organiser pour subvenir aux besoins du bébé, peut-être. Oui, pas de soucis, Kimi. Il a pas de chambre, ça c'est... Je te jure. Est-ce qu'on a annoncé la grossesse à Lupita? Non. Non. À partager la grande nouvelle, voilà. En même temps, elle a dû entendre un petit peu les bruits de couloir. C'est marrant parce qu'ils sont justement dans un couloir. Elle est contente où j'ai rêvé. Mais après, elle, je crois qu'elle veut des enfants. Je crois qu'elle veut des enfants, donc elle est peut-être contente potentiellement d'avoir un enfant dans la coloc. Attends, c'est où déjà qu'on voit? Ne veut pas d'enfants pour le moment, ok. Et elle, c'était serait heureuse d'avoir des enfants. Oh. Et lui ne veut pas d'enfants maintenant, ok. Tout s'explique. Une nouvelle vie en moi, mais elle est vraiment trop heureuse, quoi. Elle va pouvoir faire des contenus sur les enfants. C'est ça, en fait, qui l'a fait kiffer. Attends. Ah mais non, on peut pas tourner de vidéo, on n'a pas d'électricité. Non, mais par contre, là, c'est compliqué quand même. Hein. Quand tu fais ce métier de pas avoir d'électricité, là, c'est un problème. Hein. Du coup, avoir le bébé avec Lupita et virer Spencer pour récupérer sa chambre pour le bébé. Non, attends, ce qui serait trop drôle, c'est que Spencer la demande en mariage, qu'ils sont mariés le temps qu'ils deviennent une célébrité, et qu'après le divorce, elle prend tout son fric et elle se met avec Lupita. Ça, ça serait drôle. Ça serait drôle. Vraiment. Enfin, ça serait drôle. C'est tellement méchant de dire ça comme ça, mais... T'es capté, hein? Travail dans 2 heures. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai qu'on n'arrivait pas à faire poster l'évaluation, là. Il faut qu'on avance dans la compétence entrepreneuriat aussi. Des petits boulots, des carrières indépendantes. Elle pourrait faire un petit boulot, en vrai. Pourquoi pas? Je peux pas faire un petit boulot, là, pourquoi? Mais je peux pas utiliser mon téléphone? Mais j'ai la 4G, j'ai pas besoin d'internet. Bon, arrête de jouer de la guitare, toi. Il m'a saoulé, il joue trop mal en plus, il me saoule. Il me saoule, ce type. C'est qu'on enferme Spencer dans un carreau et on le laisse mourir. Tout est sale dans la salle de bain, là. C'est vrai? Oh, putain! Attends. Oh. Sensei Kareku. Ça veut dire quoi, ça? Qui c'est qui a fait Simlish LV2 là? Spencer, tiens, sers à quelque chose. Tiens, bah t'es parti nettoyer, tirer la chasse. Ah bah quand même, nettoyer. Ah bah nickel. Il est bien dressé, c'est bien. On va nettoyer ce truc aussi là. Wow, c'est qui a lâché une grosse caisse là? Un schmout? Probablement lui d'ailleurs. La piscine sans échelle. Ouais, ils peuvent sortir maintenant des piscines. C'est vrai. Mais attends, il a pas nettoyé les chiottes, là? Oh, t'avais dit que t'allais nettoyer, toi. Voilà. Il est fatigué. Bah, non, mais faut que tu serves à quelque chose, un peu. Mais elle aussi, elle est fatiguée. Mais c'est quand que l'électricité revient? Ok, Brooke, le travail commence dans 1 heure. Elle va y aller, hein, elle va aller au travail. Alors, je me doute qu'elle, elle a plus du tout envie. Elle est vraiment en mode... Mais je suis enceinte, je dois prendre soin de moi. Je ne fais plus rien jusqu'à l'accouchement. Je la vois trop comme ça. Hop, je remets les guitares là-dedans. Elle en a une dans son inventaire, Lupita, ou pas? Elle est passée se coucher aussi. Non. Oh, purée! Jean-Luc Bretodeau, là! On en a un de... Merde, on en a un de Jean-Luc ici, non? Ouais. Donc on va vendre celui-là. On peut le vendre à un collectionneur pour 100 simflouz. Bah, let's gong. Ah, t'étais peut-être pas obligée de te réveiller pour ça, though, mais... Et on va rajouter 100 dans sa tirelire. Bah elle, là, elle essaie d'économiser pour se tirer, hein, de la coloc des enfers. Hein. De la coloc des gens qui vont avoir un bébé, là, c'est bon. Même si elle aime bien les bébés, voilà. Coucou Edgar, comment ça va? 100 balles, c'est pas mal, hein, pour un petit autographe, je pense. La journée d'économie et d'électricité est désormais terminée. Hallelujah! Bah, c'est un peu trop tard parce que tout le monde est fatigué, merci. On va éteindre les éclairages automatiques, là. Voilà. Il est où, lui? Ah, mais il dort. Ah, mais tout le monde dort. Ok.
Brooke a ramené 52 simflouz. On va les mettre tout de suite dans sa petite tirelire. Parce que sinon, après, j'oublie. Tac. Voilà. Une fois que Capone saura ce que tu as dit, son avis sur toi changera. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Ça devient la colo de l'enfer. Bah en vrai, t'es là, tu flirtes avec ta coloc. Le lendemain, t'apprends qu'elle est enceinte du type. T'es un peu en mode, ok. Ils ont combien d'argent chacun? Alors, elle a 1538. Elle où sa tirelire à lui, je sais plus. Lui, il a que dalle, je crois. 496. Et Lupita, 1010. Et il faut qu'ils aient tous 10 000 pour pouvoir déménager, en plus d'être des célébrités. Donc pour l'instant, ils n'ont pas l'argent et lui, il n'est pas encore célèbre. Mais j'espère que ça va se régler demain. Demain, c'est une... Oh putain, il n'a pas fait sa compétence charisme. Et c'est à quelle heure? 9h, ça va. Mais là-dessus, ça fait charisme ou pas? Raconter des blagues? Je sais plus si ça fait le charisme, ça. Peut-être. Elles sont bien ces petites tirelires-là, là, de Ravachin. C'est pratique, disons, quand t'as un foyer comme ça que tu veux diviser un peu la moula, quoi. Bon, ils ont quand même de l'argent commune pour tout ce qui est frais de loyer, enfin de la maison, etc. Elles sont de Ravachin, les petites tirelires, Céline. Je suis innocente, appelez mon avocat. Qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Purée, je l'entends ronfler. Non, mais carrément, il ronfle. On va mettre ça dans le panier. Parce que c'est bien du mec. Il y a un panier dans ta chambre, mais tu mets ça à côté du panier. Ça me gratte l'oreille. Oui, vas-y, t'inquiète, Kimi. Bien sûr. Voilà. Donc, bon, là, on va avancer un peu le temps parce que, bon, voilà. Il faudrait qu'il augmente sa compétence. Charisme. Ah putain, j'ai oublié de regarder l'épisode. Ah mais non, je pouvais pas, il n'y avait pas d'électricité. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Ok, Lupita. Est-ce que t'as quelque chose à publier? Non. On va produire alors du coup. Combien il y a de niveaux pour ça? 5, hein, je crois. Elle est à quel niveau la production de médias? 2. Ok. Ok, ok. Déjà là, elle va produire ça. Elle va traduire ça. C'est parce que Kimi parle de traduction, elle va produire ça plutôt. On va remixer. Ah mais j'entends pas la musique parce que j'ai coupé. Attends. Audio, musique, voilà. On va avoir un petit peu de musique comme ça. On va entendre ce qu'elle fait. My God. Est-ce que c'était mieux quand on n'entendait pas? Probablement. Voilà. Elle a vraiment pas un style défini, hein. L'idole des yeux. Encore ? Mais il n'y a que deux titres ou quoi ? Je sais pas quoi écrire. Brookita Forever. Merde, j'écris mal. Brookita Forever. Oh, j'aurais dû appeler la chanson genre elle a un bébé avec un autre ou je sais pas quoi. L'idole des oreilles. Ouais. Ok, ça c'est gravé. On va sortir le morceau. Brookita Forever. Et voilà, le truc est sorti. Ça va trop vite. Jouer le morceau, non. Produire un nouveau morceau. Tiens, voilà, fais ça. Ah merde, t'as faim, excuse. Lui, il est encore en joueur, mais lui, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Moment romantique en vue. Pff, il nous saoule. Il fait à bouffer? Il fait quoi? Un beignet de saucisse. Ok. Ça me tente pas trop. Hein. Le club, c'est fini maintenant. H24 chez Carbons. Ah ouais, c'est vrai, c'est fini? T'es rentré chez toi? Et coucou Valkyrie, comment ça va? Ouais, elle est enceinte. Elle est enceinte. La petite Brooke. Et autant te dire qu'elle en est ravie. Spencer, un peu moins. Mais ça, je comprends pas. Regardez, regardez. Genre, pourquoi tu le prends pas par le stick? Genre, tiens-la bien, ta saucisse. Attendez, je vais éternuer. Ah, pardon. Tiens-la bien, ta saucisse. Pourquoi tu la tiens pas par le stick, là? Il est tendu, pourquoi? L'anxiété de la promotion. Mais frérot, attends.
Ah oui, il faut qu'il développe sa compétence charisme. On va aller parler à Lupita. Tu vas l'emmerder plutôt qu'autre chose, mais bon. Offrir un cadeau de l'amour. Pièce d'amélioration de plomberie. Le romantisme à l'état pur. Demander à Lupita si elle a de quoi se protéger. C'est toi qui aurais dû te protéger, hein, mon gars. On va faire... attends. Papotage. Demander à Lupita ce qui l'attire physiquement. Comment tu me trouves? Mais il est trop lourdingue. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais... Je vous jure, il est lourdingue de fou, ce type. L'anxiété du flirt. Oh putain, je te jure. Tiens, là, bien, la saucisse. C'est quoi, ça? Caleb... Attends. Caleb Bathory voudrait acheter Brookita sur stylé. C'est quoi, ça, déjà? On avait fait quoi? Si vous acceptez cette vente, vous trouverez ensuite... Attends, trouvez ensuite Brookita dans l'inventaire et envoyez le look. Elle avait fait un look qui s'appelait Brookita, mais on était obsédés. Ça se vend combien? Prix de vente 100. On fait quoi avec 100 balles? Brookita. Bon bah tant pis, hein, ça fait 100 balles. Hein. On a un bébé, ok? On doit subvenir à ses besoins. Elle va où? Ah, elle va mettre dans la boîte aux lettres. C'est comme un colis Vinted, quoi, finalement. On achète un perso au bébé. C'est 250, un perso. Hein, voilà. On se tire de la coloc avec 100 balles. On peut pas, dans les règles, c'est 10K. Elle est où la bouteille? La bouteille. Eh, vas-y. Elle est où la boîte aux lettres? Ok, elle est chez les voisins. Oh, t'inquiète juste, c'est pas grave. On a à peine commencé, en vrai. Ok, elle a eu 12 abonnés. Attends, moi, je veux savoir si... Est-ce que ça a fait augmenter son... entrepreneuriat? Ouais, c'est bon, ça a fait augmenter l'entrepreneuriat. Ok. Ok. Du coup, attends. Elle travaille, elle, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pouvoir filmer une vidéo. Je pense qu'elle va annoncer sa grossesse en ligne. Poster des mises à jour, on s'en fout. Enregistrer une vidéo. Evaluation de produit. Vlog form, ouais, c'est ce qui ressemble le plus, on va dire. D'ailleurs, ils vont bientôt avoir leur... Ah non, c'est à 10h du matin, où ils ont leur sous aussi. Ah, faut que je mette les 100 balles dans sa tirelire. Faudrait quand même pas que la coloc lui pique 100 balles, hein, alors qu'elle, elle pique les sous de tout le monde dans la coloc, mais voilà. Calme-toi. Voilà. Est-ce que lui, il est allé parler à... Qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Ils ont une obsession, ils font que de nettoyer ce bureau de mort, là. Je crois pas qu'il soit allé lui parler, du coup, peut-être parce qu'elle est occupée, au final. Il m'a fait peur. Qui? Spencer? C'est vrai qu'il fait un peu peur. Salut les abos, je suis enceinte de mon coloc. Hein. Storytime, je suis enceinte d'un bébé. Jamais vous devinez le père. Je suis mort. Il y a passé aux toilettes. Mais t'as peur de lui parler ou quoi, Lupita? À chaque fois que je te dis d'aller lui parler, tu t'en vas. Comment c'est dingue, ça? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah bah elle est en PLS, j'avais pas vu. Ah mais elle fait pas son vlog, du coup, parce qu'elle est trop en PLS. Elle me saoule. Ou elle va manger? Tu vas manger quoi? Un repas gastronomique? Allez, toujours plus. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils font chier. Ils font chier, hein, désolé du peu, voilà. Pourquoi? Regardez. Attends, ça bug, voilà. Ah! Prends le petit-déj. Toast avec des œufs. Allez, vas-y, va. Ok, lui, il faut qu'il fasse son charisme, pardon. Faut dire le mot comme il faut. Son charisme. Tu peux arrêter de graver, parce que... Voilà, on va ajouter de la voix, hop, et on va graver le morceau. Allez, hop, ça part. Paradis plan-plan. Non. Enceinte d'un autre. Point. Voilà. C'est une chanson pour Brooke. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Participer à la cuisine. Oh, Bichette, elle doit dire, faut que je l'aide parce qu'elle se sent pas bien et tout, elle est enceinte, machin. Mais Spencer, il fait quand même bien les tâches ménagères, je trouve. Il nettoie la salle de bain, là il enlève la merde, c'est pas mal, franchement. Il fait peut-être ça pour impressionner, je sais pas laquelle des deux d'ailleurs, j'ai perdu le fil. Attends, elle est en colère? Saute d'humeur irritable, oh purée de patate. Lui, je voudrais vraiment qu'il fasse ses trucs de charisme. Amical, papotage, illuminer la journée, ok.
Spencer mariable. J'ai des doutes à Aaron, franchement. Mais bon, c'est déjà pas mal s'il nettoie ses caleçons sales. On est déjà sur un bon début. Le travail de Spencer commence dans une heure. Ok. Continue à illuminer la journée, des trucs comme ça, s'il te plaît. On peut plus. Chiant. Bah, chiant, en fait. Juste chiant. Ça peut être que dans popotage. Ça peut être que dans popotage, non? Qu'on peut illuminer, faire des trucs charisme et tout, là. Quoi d'autre, sinon? Ah, peut-être le miroir. Peut-être le miroir. S'entraîner à faire un discours, peut-être. Je crois que ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, vas-y, parle à ton miroir. Tu me fais trop pitié, tu me saoules. Vas-y, parle à ton miroir. Comment elle est habillée, par contre? Qui? Lupita? Elle est en pige. Elle est en pige-pige. Ça parle entre célébrités, là. Tac. Ouais, tu préfères comme ça? Qui c'est qui t'appelle? Mais qu'est-ce qu'elle a? Pointe de jalousie. Elle est jalouse de qui? Attends, il y avait un coup de fil, j'ai pas eu le temps. Mais elle est jalouse de qui? De Lupita? Elle est jalouse que Lupita parle à Spencer ou que Spencer parle à Lupita, là? Who knows? Ok. Moi, j'ai envie de vous proposer un truc. C'est que c'est trop facile si c'est nous qui... Si c'est nous qui décidons, si c'est nous qu'on décide, hein. C'est trop facile. Du coup, ce qui serait drôle, c'est qu'en fait, on soit obligé, quand on clique sur le sim, de choisir une interaction qui nous est proposée. Là, par exemple, on a offrir un cadeau, flatter, débattre de la stratégie de jeu ou conversation profonde. On est obligé de choisir un truc des quatre, on peut pas aller dans plus de choix. Comme ça, on va voir si ça nous apporte des trucs un peu sympas ou pas. C'est mon idée, voilà. Allez, apprendre ou à laisser. Coucou Mathilde, comment tu vas? Comment ça va depuis hier soir? T'as pas trop rêvé du chartine? Ce trait de caractère jalouse, il est affreux. IRL aussi, en vrai. Pas mal, on est obligé de s'adapter. Bah ouais, parce que sinon, en fait, c'est un peu trop facile, hein. Ma sœur a reçu un message d'un mec qui dit « Bonjour José, peux-tu venir y aller avec moi ce week-end ?» Et bonjour José, comment ça va? Alors. Mais pourquoi là, elle pète un crâne? J'ai pas compris, hein. Je me demande trop. Alors vas-y, par exemple, si elle parle à Spencer, parler de mariage, se plaindre des sourds d'humeur, parler de la température fraîche. On va parler de mariage, il va avoir trop peur, tu sais. Ah. On va rejoindre Spencer, du coup. Désolé, les filles. Hein. Faut qu'il trop devienne une célébrité, là. Il est à la traîne. Ce moment où tu fais un mauvais numéro, de ouf. Ta sœur, elle s'appelle peut-être Josette, c'est pour ça. Alors, waouh. De prime abord, comme ça, c'est difficile de dire c'est quoi le thème, clairement. Se faire coiffer et maquiller. Là, on vient là, je le téléporte, le type, il va nous prendre 10 piges, sinon. Hop. Spencer, merci. Se faire coiffer et maquiller, voilà, voilà. Alors là, on va encore avoir un truc vraiment moche. Je le sens. Tu chantes de la SNCF là. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. J'ai pas pris de train pourtant. Oh ma gosh. C'est quoi ces cosplay Vladimir Gothique? C'est quoi? C'est quoi comme tournage? Je sais plus, je crois que c'était la guitare ou je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était exactement. On va le savoir bien vite. C'est pas ça en tout cas qu'il faut. Ça, je te le dis direct. C'est quoi le thème? En avant la musique, voilà. Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Coupe pas. Ma gosh. C'est que... Un documentaire sur les gothiques, je pense, hein. Je pense, hein. Franchement, je pense, ça. Mettre le costume pour le contrat, ok. Ah! Oh! Ah! Putain, on a eu 1100 simflous en tout entre les deux. Va falloir qu'on fasse des maths encore, purée. Allez, vas-y, je me demande trop la tenue, là. Cheveux bleus, là, pas sûr. Je crois que pour la musique, c'était pas nécessaire. Mais c'est dingue comment ça change trop. Regarde, on le reconnaît pas du tout.
Je suis sûre qu'il a envie de trop de vider son sac, là, il a envie de lui dire, vous savez quoi, j'ai engrossé ma coloc, c'était pas prévu, surtout que je préfère l'autre. C'est quoi ce bordel? C'est là qu'il porte le costume de créature lapin bleu. C'est vrai, c'est ça? Alors pourquoi il se fait coiffer et tout? A priori, non. Il a aucune dégaine. Pardon, hein, excusez-moi. Dire au réalisateur que le tournage peut commencer. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui décide. Oh putain, c'est Nikita, vous vous rappelez Nikita? Il était venu chez nous, il avait dormi dans notre lit et tout. Délire encore ça. Attendez, est-ce que j'ai mon micro devant l'écran? Je ne vois rien. Voilà. Il est en saucisse végétarienne avec une tortilla. Je suis mort. Oh! Tu viens? Ok. Excuse-moi de t'avoir crié dessus. Mais putain, la compétence charisme, elle était pas pleine! Elle était pas complète! Il a parlé 10 piges à son miroir, le type. Salut, à moi, figurant, je suis prêt. C'est quoi, ça? Jour de l'amour. Ah, oh, putain, c'est aujourd'hui. Ah, oh, puis il adore ça. Ce con. Pardon. Ok. Alors, jouer une scène avec une guitare. Jouer une scène où le personnage montre le produit. Viens là. Tac. Jouer de la guitare, risquer. Vas-y, on risque tout. Hop là. On y va. Mais pourquoi il est en colère? Ah oui, il y avait Nikita. C'est pour ça. Il aime pas trop le réalisateur. Ils sont un peu en bif. Ils ont du bif. C'est quoi cette tête, frère? Attends, je crois que j'ai fait pause à un moment vraiment incroyable. Ça va, vous? Il fait le trailer de Orange, le bro. Je te jure. Putain, il fait peur, surtout. Allez, vas-y, Spencer. Ça va, il se débrouille bien. Nouvelle pépé. T'es à Londres, l'utile? Où tu vas à Londres? J'ai pas vu, excuse-moi. Ok. Ça, c'est quoi les chaussures qu'il a avec, par contre? Pas trop des chaussures de cow-boy, ça? Tu vois, ça, c'est pour ça que t'auras jamais des grands rôles, Spencer. T'es nul à chier. Il a pas confiance, vu sa tête. Bah, moi non plus, j'ai pas confiance, hein, je t'avoue. Cut. Ok, il en reste une, normalement. Il reste une petite scène à faire, non? Ici, chanter. Chanter. Il sait chanter, lui? Elle part à Londres. Ah, trop bien! Trop bien. Non, mais il se ressemble pas du tout, là. On le reconnaît. Merde, pardon. Excusez-moi, j'ai coupé le concert. On le reconnaît pas du tout, là, Spencer. Je sais pas ce qu'il branle, mais... Cut. Ok, c'est pas mal. Pourquoi on n'a pas tout 100%? Par contre, je vais péter un crâne. Pourquoi? Il va manger un truc. Ok, il est en colère. Ouais, très bien. Mais attendez. Pourquoi on n'est pas... dégoûté là. Oui, je pars en Angleterre demain. 3 jours à Londres, 3 jours. Oh, trop bien, l'utile. Trop cool. Est-ce qu'il y a aussi eu un enfant? Attends. Ah oui, dans la coloc. notoriété gagnée, mais... Il est pas devenu célèbre là, du coup. Putain, ça me saoule, ça. J'ai pas fait une brooker, moi. Je suis mort. Mais attends, je suis dégoûtée là. S'il est pas devenu célèbre, je serre. Putain. Vas-y, fais plein de stories, deviens célèbre. Fais quelque chose. Social. C'est là? Ouais. Tac. Non, on est si près du but. Hop. Vas-y, il faut que tu deviennes célèbre, là. On n'a pas le temps. Ouais, j'avoue, Blackpool, c'est spécial.
Oh putain, elle a 10 000 followers! Incroyable! Mais quand est-ce qu'il a eu autant de followers, lui? Allez, 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 allez! Ah putain, elle a obtenu de l'argent pendant son... Ça y est! Alléluia! Attends, il y a 160 de Lupita, là. Puis c'est vrai qu'il y a tous les sous de tout à l'heure aussi. Vedette débutante, ok. Ok, ça c'est bon. Alors là, on peut lui prendre un point. Et lui, en tant que... acteur, c'est quoi le truc? Je crois que c'est remarquable. Attends, je sais plus, faut que je lise mes propres règles. J'ai oublié. J'ai oublié. Attends, votre sim choisit... Hein, partenariat pour les influenceurs. Remarquable acteur, ok. C'est bien ce qui me semblait, donc c'est celui-là. Voilà. Incroyable. Enfin, il va devenir plus connu que Brooke. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Alors, à la fin, elle... Alors, attendez. Là, on va faire une petite pause, si j'ose dire. Déjà, je vais sauvegarder. Mais en fait, là, ça y est, ils sont tous les trois célibres. Ils sont tous les trois célibres. Je voulais dire célèbres et célibataires, ou je sais pas ce que je voulais dire, mais... Bref, ils sont tous les trois célèbres. Donc déjà, on a un premier truc d'acquis. Et attends, je voudrais voir vos petits Sims. Pour les mettre en jeu. C'était quoi le hashtag qu'on avait choisi? 645, il a gagné le bug au fait. C'est tout? Attends, il me faut un papier. Je vais l'écrire ce que j'ai oublié tout à l'heure. Il a pas gagné grand chose, hein. Franchement, les filles, elles gèrent mieux, hein, niveau moulaga. 645. Oh, j'ai un crayon qui écrit pas. 645. Spencer. C'était quoi le hashtag? J'ai complètement oublié le hashtag. Spotlight Cap 11, non? attendez, je vais regarder sur le... Oups, excusez-moi. Spotlight Cap 11, c'est ça, purée. J'ai vraiment une mémoire de D. Ok! Attends, hop là, voilà. Chez les Sims, c'est 20% en plus pour les filles. C'est vrai? Alors, on a que de la nénette. Vous avez fait que des filles. J'adore. Donc Calypsie, elle nous a créé une petite timette qui rêve de rencontrer l'amour de sa vie pour fonder la famille qu'elle a jamais eue. Elle passe ses journées à lire et à jouer en compagnie de son petit chat Nala. Trop mignon. Mais c'est toi-même en fait. Je sais pas si elle est là, Calypsie. C'est toi-même en fait. C'est trop chou. On peut la mettre... Attends, je vais faire une colloque de vous toutes, je pense. Là. On a l'utile qui nous a créé Lulu. Après avoir vécu deux déceptions amoureuses avec des personnes appartenant à la gente masculine, Lulu est à deux doigts de devenir misandre. Spencer arrivera-t-il à lui faire changer d'avis ou bien est-elle déjà tombée sous le charme de la belle Brooke? Peu chère Brooke, elle est busy là. Ah oui, tu rigoles, putain, mais moi je te crois, premier degré en fait. On a ici Phoebe, trop chou, par Mini Babs. Phoebe n'est pas... pas une inconnue pour Spencer puisque c'est elle qui le maquille sur les plateaux de tournage. Ouais, on a vu quelque chose de différent. Hein. On va dire qu'elle était malade aujourd'hui. Le truc, c'est que le beau brun est plus du genre à blablater qu'à écouter, mais sait-il qu'en lui racontant les histoires de la coloc, son crac-crac avec Brooke et son coup de cœur pour Lupita, celui de la jeune fille bat à 1000 à l'heure pour lui. La jeune fille timide sera-t-elle encore dans la friend zone? Ou Spencer ouvrira-t-il les yeux sur la jolie brune? Trop chou. Ici, on a... Quel est ton nom? Sarah Copland. Coucou Capante. Voici ma petite cimette pour ton challenge, j'espère qu'elle te plaira. Depuis sa tendre enfance, elle souhaite rencontrer son prince ou sa princesse et vivre le grand amour avec un A, mais parviendra-t-elle à choisir le bon ou la bonne? Ou finira-t-elle avec une grenouille? Je suis mort. Et enfin, ah bah c'est la même, qui a été postée deux fois. À moins qu'il y ait une version plus récente que l'autre, je sais pas. Bonjour Léa, comment ça va?
Vous allez tout en Angleterre? Quoi? Ouais, j'avoue. J'avoue. Attends, Julie. Qui c'est qui part en Amérique? J'adore, on dirait toujours que je lis pas mon chat. Je sais pas lire, hein, c'est terrible. Tim Serdegle, ok, ça parle de Harry Potter. Mon prénom c'est Léa et mon ami commence par Lek. Du coup, ton pseudo me perturbe. J'avoue, Léa Lek, j'avoue. Merci Flairzy. Merci d'être passé. Ah, oh, c'est pas grave, Utile, t'inquiète pas. Si c'est les deux mêmes, c'était juste que je voulais savoir si t'avais update un truc ou pas. Mais c'est les deux mêmes, du coup. Ok. Bah, je pense que je vais faire une petite coloc des quatre filles. On va les installer sur un terrain, comme ça, on les croisera peut-être. Ici, il y a du people. Même si on s'en fout un peu, on peut les virer en soi, je pense. Ou alors, on met les quatre filles à l'hôtel. Ça peut se faire aussi. Attendez, je vais passer en mode comme ça, là. Et je vais mettre vos petites créations. Hop, on va mettre Allison ici. On remplace. Merde. On va mettre la petite Lulu ici. On fusionne. Oh purée, t'es bold. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Attends. C'est quoi la coupe? Ok, je vais te mettre des tresses comme ça, cette couleur-là. Quelque chose d'à peu près similaire. C'était quoi? Non, la merde, je suis pas dans les CC. Petite tresse. Pas mal ça. C'était quoi la couleur? C'était ça à peu près? Non, c'était ça. Non, non. C'était ça. Non, c'est plus sombre. C'est ça. Oh, c'est pas si sombre. C'est compliqué. Ça te va ça? Oui, t'étais chauve pendant un instant. Attends, je regarde s'il y a d'autres coiffures qui ressemblent plus quand même. Laisse-moi. Let me check a bit. C'est de Harris Britney, ça. Je reconnais. Pas quelque chose de similaire, là? Attends, j'arrive pas à trouver la couleur. Ah, c'est celle-ci, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on n'a pas de petites tresses sur le dessus et tout. Ça, je pense que ça va. Ça, c'est à peu près la même longueur et tout. Trop chou. Et alors, attends. Ouais, je pense que ça va au niveau de la longueur. Ici, on a Phoebe. J'espère qu'elle est pas chauve, la pauvre. Fusionnée. J'étais sûre. Bon, là, c'est une petite brune chevelisse. Ça va être assez facile de remplacer. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, par contre, c'était quelle couleur? C'était brun aussi. Voilà, comme ça. Et elle est pieds nus. Peu cher. Elle a des panards, mon gars. Énormissime. Elle avait quoi comme chaussures sur le truc? On voit pas les chaussures. On voit pas. Ça se trouve, elle était pieds nus dès le début. Hein. Qui sait? On va mettre un petit truc comme ça. C'est bien. And last but not least. Bien sûr, bien sûr. Placer. On va faire fusionner. Elle va être chauve. Ouais. Oh putain, elle est carrément à poil où? Elle est à poil loup. C'est quoi la tenue? Un petit haut, un petit pantalon. Ok, très bien, facile. Tac. Petit pantalon. C'était pas tellement le style. Je crois que c'était un slim. Ouais, un petit slim, un petit truc. Qu'est-ce qu'on a comme slim? On a celui de... Visitadine, ouais. Ah, c'est pas Visitadine, putain. C'est à quoi que je pensais alors? C'est quel pack? Merde. Putain, mais on n'a pas de slim beau aussi. Genre, pourquoi il faut les chercher autant? Vous savez, c'est celui qui a des... Ah bah attends, il y en a un là. Ouais, voilà, celui-là. Il marche. En noir, comme ça. Oui, il marche plus ou moins, quoi. C'est d'à la fac, non? De quoi qui est à la fac? Parce que le pack à la fac, je l'ai, donc ça devrait pas être... Je sais pas de quoi tu parles. Bon voilà, ce qui compte c'est qu'elle soit pas naked.
Ce petit haut-là, je pense pas que c'était vraiment la même veine. Oh purée. C'est difficile de trouver des trucs pareils. En fait, tu te dis c'est juste un petit haut. Mais pour trouver quelque chose de totalement similaire. Ah, peut-être un truc comme ça en vrai. Ouais. Bon, c'est base game quoi. Le jean, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça, c'est pas mal. Ça a été quelle couleur? C'est un peu... couleur... ouais, qu'on n'a pas. On va mettre ça. J'ai pas du tout l'impression que ça ressemble... Et la coiffure, c'est pareil, c'est une Harris, je reconnais un peu, mais bon, on va mettre quelque chose de similaire. Quel bel gosse. Quelque chose comme ça, ça lui va bien. Ouais, c'est à peu près ça la longueur. Et c'était une brune également. On dirait qu'elles sont sœurs toutes. Hein. Ah, j'ai mis deux fois la même! Incroyable. Peut-être ça alors. Ouais, tiens, ça c'est pas mal. Ça ressemble un peu. Pas mal. Ok, ça vous va comme ça? Coucou Anthony, t'inquiète, pas de soucis. Bon, merci Lizo d'être passé, merci beaucoup. Je vais manger tranquillement après un taboulé lorsque débat député raisin sec dans le taboulé ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Le raisin, c'est mort. Ce n'est pas accepté. Je refuse. Alors, on va mettre ce petit groupe de copinettes à l'hôtel. Comme ça, elles seront nos voisines. Par contre, il faut que je fasse un petit code de triche, si vous me permettez. Voilà. Comme ça, on a des nouvelles voisines. Hein, trop pipoune hein. J'avoue, on n'a pas fait exprès, mais tous nos sims se ressemblent de ouf. C'est vrai, hein. C'est ce que je te dis, on dirait des sœurs. C'est pour ça que, je... en vrai, les mettre dans le même foyer, c'est cohérent, parce que regarde. Trop mignon. On dirait des sœurs qui viennent de débarquer en ville, là. Avec raisin. Non, non, sans raisin. Ok. Retourne ici. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qui... Pourquoi il est déjà au Plum Pom Motel, lui? Il est déjà parti rencontrer vos Sims, je crois. Incroyable. Alors, attends, il faut que je mette les sous à Spencer. Deux Spencer, plutôt. Viens ici, mets tes 645 boules. Voilà. Tac. Elle, du coup, est-ce qu'elle a fait son petit vlog? Attends, on va étudier les tendances, déjà. Voilà, voilà. Donc là, du coup, il faut surtout se faire du fric, en fait. C'est surtout ça qui compte pour pouvoir déménager, pour pouvoir passer au chapitre 2. Coucou Mia, comment tu vas? J'avais pas vu que t'étais là, comment ça va? Alors, pêche, pardon. Astuce mode, vlog colère, fuséologie. Ok. Enregistrer une vidéo, astuce mode, du coup c'est conseil de mode, c'est ça? Et j'aimerais bien qu'elle fasse quand même un vlog où elle dit « Surprise! Je suis enceinte de mon coloc !» Pas pourquoi elle aurait un accent comme ça d'un coup, mais pourquoi pas. Voilà. Hein. Elle fait trop la belle. Hein. Ah ça y est, on voit le gros bidou. Ça y est, ça y est. Et peut-être que tu peux aussi fouiller les poches, là. Et elle, elle est où, là? Elle est dans la cuisine, ok. Tu vas peut-être continuer à... Putain, c'est trop chiant qu'on puisse pas sortir autant de morceaux qu'on veut. Elle peut pas fouiller les poches non plus, il n'y a plus rien à trouver. Mais pourquoi? Et dans le panier à Spencer? Allez, let's go. Je suis mort. Ouais, t'as vu le baby bump already? Mais alors, par contre, j'ai un peu peur d'un truc. C'est que on n'est pas les flouzes avant que ce soit à l'heure de... Oh! Mais elle est enceinte de combien? Mais elle est enceinte du deuxième trimestre déjà? Putain, tu t'es douté qu'elle avait un polichinelle dans le tiroir? Putain, je sais plus parler. C'est la fin de 5 ans. Au fait, Capone, je me suis mise à Tell Me Why, j'ai déjà fini les deux premiers chapitres. Ah, super, Serena. Bon appétit, Kim, merci beaucoup. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas jusqu'à quelle heure. Je vais voir.
Donc ouais, du coup, je disais, j'espère qu'elle va pas accoucher avant d'avoir le temps de déménager, mais franchement, ça semble compromis. Hein. À moins de faire une dinguerie pour avoir 10K, là, d'un coup, je vois pas. À moins de vendre l'organe de Spencer, là, je sais pas, son rein, quelque chose. Petite brioche au four, bien sûr. Du coup, elle a été fouillée dans les poches à... Vas-y, va fouiller les poches, là. Mais pourquoi tu peux pas? La porte est verrouillée? Bah non. Bah alors va. Pourquoi tu dis que tu peux pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Fouille les poches. Mais c'est le panier qui est bloqué là, tu vas me saouler comme ça. Là, là c'est bon, là c'est bon, là. Fouille. Oh putain, je vais péter un crâne. Ouais. Alléluia. Comment ça, vendre l'organe de Spencer? Vendre un des organes de Spencer, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, ok, là tu... Voilà, elle se permet de lui piquer quelques petits simflous. Combien? 64, c'est pas mal. C'est pas mal. Tous les sous sont bons pour repartir de la coloc, hein, je rappelle. Alors, add money, 64. Tiens, d'ailleurs, elle pourrait peut-être même se faire un petit boulot. Pourquoi ça écrit pas? Hop. Petit boulot, ou alors... elle peut aller jouer de la musique quelque part aussi. Attends, je regarde ce qu'il y a comme petit boulot. C'était quoi au-dessus? Vérifier la situation avec machine à musique. Ok. Alors, aide pour installer une télévision. Commerce de coquillages. Putain, c'est chiant ça. Recherche sim stupide ou discret. C'est trop pour Spencer ça. Faut trop qu'il y aille. Il est tellement bête. En plus, il a pas la malice. Du coup, il va se faire choper. Elle en tôle. Je pense qu'elle va prendre aide pour installer la télévision. Voilà, ça lui va faire quelques petits sous. Commence à 16h. Ok. Elle pue par contre. Ouais, va prendre une petite douche quand même. Avant d'aller réparer une télé là. Putain, les fringues là. Qui c'est qui va faire la machine là? Le linge n'a pas été lavé là? Ça a déjà porté. Oh là là. Oh, ils sont vraiment nuls. Coucou Letty! Comment ça va? Merci pour le glouglou. Et merci pour le save. Hop! Faudrait quand même pas perdre cette belle progression. Merci là. Alors putain, vidéo d'astuce mode. D-look! Merde, pourquoi ça écrit pas? D-look! Trop beau! Putain, je fais des fautes. Avec le baby bump. Tac. Oh putain, il y a des trucs à éditer. Ma gauche. Attendez, mais quoi? Attends. C'est bon, c'est là. Ouvrir l'inventaire, voilà. Alors, je voudrais juste voir la qualité. Correct. Correct. On va ajouter des transitions, voilà. Histoire d'améliorer un petit peu ça. Félicitations, vos compétences. Ah oui, putain, faudrait qu'il reprenne un contrat, lui. L'acteur à deux balles, là. Je vous échec, mais... Bientôt, Brooke va ouvrir une chaîne vlog pour exploiter son enfance. C'est exactement ce que je pensais, Céline, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Vous voulez quoi? Publicité moussalée, on l'a déjà faite. On a outil Vladislaus, bestiole du vide ou les herbs. Je crois que c'est les herbs dont tu parlais tout à l'heure, Céline. Enfin, dont il sera en tenue, là. Je crois que c'est ça. Oh, une boutique de sous-vêtements et pyjamas pour bébés et enfants. J'avoue. Ce serait cute, en vrai. Avec le mode, elle peut checker son baby bum dans le miroir. C'est vrai, trop chou. Je pense que les herbes, ce serait pas mal, parce que regardez le prix. Il va peut-être pouvoir se faire un peu de flouze, quoi. Par contre, niveau 3 comédie, je sais pas s'il y est, mais... Les herbes, c'est une série genre Friends. Ouais? Ok. Je croyais que c'était les petites mascottes. Trop bien. Moi, j'ai pas beaucoup fait cette carrière, donc cool. Du coup, il commence à 19h samedi. On est quel jour? On est vendredi. Ok, il a un petit peu de temps. C'est cool. Oh, elle a un coup de filet. Mais ta gueule, toi.
Elle est chiante, elle. Hé, hey, au fait, elle part pas à son truc. Ah non, il est pas encore 16h. Le bug de la serviette, il me rend fou. Hein. Pas vous mentir. Voilà, allez, super. Est-ce qu'elle a mis le linge à laver, là? Oui, j'ai l'impression que oui. Et elle, elle parle toujours à sa caméra. Ok. Donc, du coup, lui, niveau 3 de la compétence, est-ce qu'il l'a? C'est quoi? J'ai oublié. Comédie? Il est niveau 1. Oh, putain. Bah, c'est vrai qu'il a pas l'air très, très drôle comme mec. Il va s'entraîner à raconter des blagues, quoi. Voilà. Il est pas drôle, donc bon, à mon avis, il a même pas le niveau 1. Bah, t'avais raison, patate douce. Tu l'as mis à terre, le linge cocotte. Merde. Mais tous les paniers sont pleins aussi, là. C'est un enfer. Peut-être qu'on pourrait faire un petit live aussi, là. Faire un film sur le quartier, commencer la diffusion en direct. Voilà. Mais attendez, j'ai pris Spencer, je suis pas nette. Elle. Commencer la diffusion en direct. Tac. Spencer gros nul. Spencer est pas drôle. Vous me faites trop rire. Putain, mais on l'entend répéter comme un gros beauf là. Regardez-le, il est pas drôle, ça se voit. Qui rigole ici? Personne. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc pour le jour de l'amour ou pas? Et du coup, vous me disiez que si tu cliques sur le miroir, elle peut regarder son baby bump. J'ai pas, moi. Dommage. Bon, vas-y, là, elle fait quoi? Vlog joyeux, c'est bon, non? T'en mets du temps. Ok. Surprise! J'ai une brioche au four. Mon coloc est le boulanger. MDR. Putain, le titre. Très, très grave. Ah d'accord, je croyais que c'était dans le mode Caneline, excuse. My bad. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est quoi? Surprise, j'ai une brioche au four, mon coloc est boulanger, et le boulanger. Ok, on va ajouter des transitions. Et mettre la vidéo en ligne après. Et celle-ci, c'est pareil. Une fois que la transition... Ah, mais quand t'ajoutes des transitions, c'est pas assez pour que ce soit plus que correct. On va modifier un peu la vidéo, alors. Ok, my bad. Ok. Oh, niveau 2. Ça augmente pas mal hein, pour un mec pas drôle, en vrai, en vrai, en vrai. C'est pas mal. Et ça, du coup, c'est propre, là. Après, on est posé le linge propre, humide. On a une corde à linge ou pas? Oui. Ok. Bah, Brooke va se le taper, hein, je pense. Enfin, va se taper le linge, elle va pas se retaper Spencer, c'est bon. Hein. Il est plus du tout crédible, maintenant. Oh, elle a bientôt fini, elle. Ok, ça va être encore quelques petits sous. C'est vraiment la galère hein, pour faire des sous, là. Échec ? Comment ça, échec ? Mais comment t'as réussi à rater ça ? Genre, je comprends pas. Genre, je comprends pas. Bon, bah, elle a fait 13 balles, quoi. Mais comment t'arrives à rater d'installer une télé ? Enfin, désolé, mais là, quand même, fais un effort, quoi. Tu t'en sors toi? Ah oui, bah oui, oui, tu vas te pisser dessus, bien sûr. Elle a fini avec ça là? Correct. Non, mais c'est incroyable ça, elle va mettre en ligne comme ça, hein. Tant pis, hein. C'est trop long pour avoir une vidéo vraiment de bonne qualité là. Ah bah, c'est comme dans la vraie vie, vous me direz. Et oui, excuse-moi, va faire pipi après, hein. Autant pour moi, ma bad. La vidéo a été mise en ligne, ok. Et pourquoi elle a pas lancé son truc là? On peut savoir? Comment ça, diffusion directe? Ça sera plus pour la notoriété que pour...
Tu m'applaudis parce que je vais pisser ? Elle applaudit pas ce con de Spencer quand même. Elle est où ? Non, elle a filé. Regardez la télé. Elle a un truc avec Spencer. Être amicale avec Spencer. Mais pourquoi faire ? Et lui aussi, il a un truc être ami avec l'hôpital. Hein. Et elle, on s'en fout. On la laisse dans sa merde. Purée, j'y crois pas qu'on va avoir un bébé quand même. Faut vraiment pas qu'on ait un bébé dans cette maison, quoi. Faut vraiment qu'on arrive à trouver du fric. Vous avez une suggestion pour faire du fric ultra facilement ? Oui, stylé, c'est vrai, il y a stylé. Faudrait qu'on mette l'article à vendre super cher. Faudrait qu'on aille au salon de friperie, là. C'est qu'au bordel, je crois. C'est où ? C'est là. J'ai tellement galéré à installer ma télé que j'ai fini par appeler ma soeur pour avoir de l'aide. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, dans le jeu, normalement, ils arrivent tous, non ? Enfin, moi, j'ai toujours réussi ce contrat, c'est pour ça que je prends toujours celui-là. Non, mais faire du vin, c'est pas très logique pour eux, là. Alors, bonjour Héloïse, comment ça va ? On va créer un look. Faudrait, en fait, que j'achète un porte-manteau comme ça. Finalement, on n'aurait pas à venir ici, j'imagine. Oh putain, on va travailler depuis la maison, voilà. Faire une promotion croisée dans un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire même ? Attends. Allez à un endroit non résidentiel, puis faites une promotion croisée à l'aide de l'application entreprise du téléphone. Oh, mais on peut faire ça là du coup. Entreprise. Faire une promotion croisée. C'est bizarre comme... Je comprends pas ce que ça veut dire. Donnez un nom à votre look. Merde, j'ai pas regardé ce qui était populaire. J'ai pas regardé ce qui était populaire sur l'app. Oh putain, fait chier. Attends, je sais plus où on regarde, où c'est populaire, mais j'aurais dû regarder ce qui était populaire actuellement. À propos des looks, c'est pas là ? C'est pas dans à propos des looks ? Si, je pense que c'est dans à propos des looks. Non, c'est pas ça. C'est où qu'on voit ce qui est populaire ? J'ai oublié. Ah, ça doit être là-dessus. Regardez les dernières tendances. C'est sur l'appli. Merci Valkyrie. Putain, c'est vrai qu'elle est super enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commande à manger. Ah mais vas-y, je t'en prie. Non mais je t'en prie. Tendance plein air n'est pas populaire en ce moment. Merci. Tendance streetwear est populaire en ce moment. Putain, c'est tout ce qu'elle déteste. Créer un look. Streetwear, quoi. T'inquiète, Neoki, merci beaucoup. Merci pour le lurk. Elle est trop mignonne, l'animation, quand il farfouille dans les fringues, en vrai. Alors, on a dit streetwear. Lamacor, mais... C'est trop. On va mettre... je sais pas. Il n'y a pas streetwear, là. Donc, je sais pas ce qu'on va mettre comme nom, vous allez me dire. Si vous voulez un nom personnalisé ou pas. Et là, du coup, j'imagine qu'on peut faire style, streetwear, ok. Ah oui, les trucs comme ça, ça peut être mignon. C'est quoi sa couleur ? C'est le vert. Comme ça, c'est pas mal, hein. Il est pas mal, ce petit haut, là. Ça, c'est vert aussi. Oh, ça lui irait bien, je pense. Elle a pas mangé son plat. J'espère qu'il sera pas... que personne va le voler. Et qu'elle va pouvoir le manger après. Par peur de m'ennuyer, j'arrive... Attends, on ne peut pas vraiment... Pour peur de m'ennuyer ? J'ai pas compris. Mais oui, il y a des vidéos sur ça, et malheureusement, si les vidéos, elles t'aident pas, Léa, je vois pas trop... Enfin, je peux pas te donner d'autres conseils que ceux que j'ai donnés en vidéo, parce que c'est comme ça que moi je joue, quoi. Donc j'ai pas d'autres conseils à donner, si ce n'est ceux que j'ai déjà évoqués en vidéo. Alors attends, streetwear, les pantalons sont... pas ouf. Oh ! Mais si, c'est bien ça. C'est le jogging des années 2000 avec le truc Putilicious écrit sur les fesses, ça. Ah, coucou Aurélia, comment tu vas ? Pas comme Soso qui attend toujours son burger. Putain, Soso. Oh, sacré Soso. Incroyable ce jeu, vraiment. Et attends, en chaussures, du coup, style, streetwear. Putain, le look. Franchement, un mood. Incroyable. Incroyable. Les années 2000 en PLS. Vas-y, je vais mettre ça comme ça. Non. Ouais, comme ça.
Je suis mort, mais mort. Attends, accessoires. Est-ce que les accessoires aussi, on peut les trier en genre... Non, on peut pas. Ah, peut-être. Si, on peut. Ça, c'est streetwear, ça. Ouais, ok. Bague. Y a rien en streetwear. Ah, c'est que basique soigné, ok. Et bracelet, du coup. Streetwear. Ah, c'est bloqué. Ok, ça, c'est du look, ça. Ça, c'est un gros look. Il manque les chaussettes. Mais tu peux pas, c'est des claquettes tong. Attends. Elles sont bloquées. Il n'y a pas. Il n'y a pas streetwear. C'est mort. C'est qui a le même prénom que toi? Ah oui, Gabriel. Oui, oui, exact. Je suis bête. Oui, oui. C'est vrai que ça, c'est Gabriel. Je vais l'appeler Gabriel le look. Ok, Boutidjou. Voilà. Alors, coût total, 140. Et après, je peux augmenter le prix, c'est ça? On va y voir. Brokita. Non, la première tenue s'appelait déjà Brokita, ça va. Donc là, je l'ai dans mon inventaire, ouais. Popularité neutre, mais pourquoi? C'est super tendance. Ah, mais je peux pas la mettre au prix que je veux? Je suis vraiment une noob hein, sur stylé. Ah voilà, c'est ça, saisir le prix. Des tenues similaires se vendent pour 140 simples. Non mais nous, il nous faut du fric. Il nous faut du fric. À peu près 10 000. Voilà. Vas-y, j'allais dire Gabriel. Vas-y, Brooke. Mets-moi ça à vendre. Ok. Et là, du coup, retirer de la vente, pas du tout. Prix de vente, pas encore d'offre. Date d'expiration, samedi. Et on est vendredi. Ok. Tu vas manger ton truc là? C'est ça qu'elle a commandé, beignet de saucisse. Mais ils ont quoi tous avec leur beignet de saucisse là? Et elle va elle non plus ne pas le manger avec le petit. Voilà, voilà, voilà. Dalbao Saba. Medica Fenabe. Hispel of Grinia. Vendre Gabriel, vous me supportez déjà plus, c'est ça? Ah, il s'est fait des copines, hein? Cette chère. Katrina. Attends, c'est quoi qui est écrit au-dessus de sa tête? Cliente. Ah, ok, cliente. Je croyais qu'il avait vu créer tout un autre truc. Pourquoi tout le monde mange ces trucs-là? C'est insupportable, ça. Nanti est en train de lui donner des conseils d'éducation. C'est même pas Nanti, attends, c'est... oui, c'est Katrina. Bon, écoutez, on n'a plus qu'à espérer que ça se vende. Est-ce qu'on n'en referait pas un autre? Créer un look, voilà. On va multiplier nos chances, hein. Parce que ça m'étonnerait que ça se vende quand même pour 10K. Attends, on va refaire streetwear, peut-être en tenue complète cette fois-ci. Merde, pas rareté. Streetwear. Attends, si je mets rare, très rare. Rare, commune. Mais attends, c'est toujours les mêmes tenues, vous foutez ma gueule? Ah ok, ça c'est très rare. Ok. C'est pas du tout le style de Brokita, mais bon voilà, écoute, elle s'adapte aux tendances. Hein. C'est un peu un mouton. Y a rien en vert. Purée de patate. Pas terrible, pas terrible. Peut-être aller en tenue comme ça quand même. Style streetwear. Peut-être ça, ça c'est streetwear. Ma foi. Ça c'est son style, je pense, à Brooke. Et le pantalon. Streetwear. On a utilisé celui-là. Ça c'est les mêmes en fait. Y a pas autre chose que des pantalons. Oh putain, c'est chiant. C'est quand même pas terrible, là. Pourquoi ils t'ont fait quoi, les plénosas? C'est comme les hot dogs avec... Je pense que ce qui est entouré de doré est plus rare, non? Ah oui, probablement. J'ai pas fait gaffe. J'avoue.
Ouais, c'est un peu moche les tenues, franchement. Le streetwear, bof quoi. Je vais peut-être produire celle-là au final. Hein. Comme ça, genre. C'est vraiment pas formidable. Hein. J'espère que tu vendras ça cher. Streetwear. Ça me fait rire, pourquoi il y a des... Ah oui, parce que ça doit être plus rare, en effet, comme tu dis, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'imagine que c'est genre une marque qui la contacte. Tu sais, c'est genre Boohoo X... Je sais pas. Marie Lopez. Et là, c'est... C'est stylé X Brooke. C'est pour ça. Attends, on va mettre rose comme le manteau. C'est une tenue atroce. Mais bon, on n'est pas assez fashion. Toutes les tenues doivent avoir un nom. Ah, merde. Style... Pourquoi j'écris comme ça? Stylé X Brooke. Ok. On y croit. Ouais, ça doit être ça, Valkyrie, t'as raison. En vrai, avec le jean taille bas, ça va pas faire streetwear. Ouais, tu trouvais? Dans tous les cas, je trouvais pas que c'était des tenues qui étaient vraiment son style. Vendre sur stylé, voilà. Et là, c'est pareil, on va mettre... Allez, on met 8000, celle-là. Au lieu de 80, je suis mort. Ça va jamais se vendre. Si ça se vend, c'est vraiment l'arnaque du siècle, quoi. Attends, mais... Ça va? Ça va? On te gêne pas? On peut pas mettre des vêtements? Oh! Du coup, ça c'est bon. Putain, on avait pris des photos de Spencer, c'est vrai, j'avais oublié ça. Anyway, on va rentrer à la maison. Avec le pack année lycée. Que tu peux faire le truc stylé. Et Heure de gloire. Del Soleil. Heure de gloire, c'est le nom du pack, c'est pas le nom de la ville, enfin voyons. Et on y va avec. On peut y aller avec Katrina, bah super. Alors je vois qu'il y a le lien du Discord dans le chat. N'oubliez pas d'accepter les règles. Parce que vous les acceptez pas et du coup vous restez bloqué et vous pouvez pas accéder au Discord tout simplement. Donc n'oubliez pas d'accepter les règles. C'est très important. Ok, bon là on n'a plus qu'à attendre hein, finalement. Voilà, voilà. Plus qu'à prier pour le plus gros braquage du siècle, hein, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée, normal. Va dormir. Faire crac-crac avec Spencer. Ok, ok, ok. Attends, si je clique sur Spencer, les quatre premiers trucs proposaient de toucher le bébé. Ok, on va faire ça. Ah merde, pardon, tu voulais dormir. Dez, dez. Coucou Marie, comment tu vas? Faut qu'on change la commande du Discord, c'est marqué que c'est toujours en travaux. En vrai, je pense que c'est pas tout à fait fini, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau qu'avant quand même. Dabishi Slekam. Grenoble. Kankuya. Oh, Nubu. Bon bah là il a l'air d'accepter le bébé soudainement hein, voilà voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre quand on clique? Parler de mariage, offrir un cadeau de l'amour. En plus il aime trop l'amour lui. On va lui offrir une petite photo. On va lui dire regarde c'est... Ah! Attends combien elle veut acheter ça? Prix de 28 000. Mais... Mais non! C'est incroyable! C'est incroyable! Mais ça s'est vendu super vite! Mais je suis choquée! Attends, t'as Lupita qui arrive en mode ah, vous vous offrez des cadeaux romantiques, on en est là! Shubs! Attends, mais là, elle a les flouzes. Elle a les flouzes pour quitter la maison! On va pas avoir un bébé. On va pas avoir un bébé ici. Elle va pouvoir partir. C'est incroyable. La moula. Tu veux toucher le bébé en simlish. Il y a 800 simflues là. C'est pas mal ça. Du coup, on va lui mettre dans sa tirelire. 8000, pardon. 1, 2, 3. Incre. Et là, du coup, elle devrait avoir assez dans sa tirelire, si je dis pas de bêtises. Elle a 9638. Ah oui, mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu des petits... Je sais plus quand c'était. Putain, c'était il y a longtemps. On a eu des... Ah putain, comment ça s'appelle? Mais c'était quand? Il était au travail, lui, non?
Je crois qu'il était au travail. Du coup, c'était genre là. Ouais, voilà, des droits d'auteur. Et on ne les a pas comptés. Mais en vrai, il y a pas mal de fric, là. Je sors la calculette. Money, money, money. Ta-da-ta-da. Alors, calculatrice. Ta-da-ta-da-ta. Donc, 188 plus 163 plus 138 plus 185. Non, mais alors là, 674. Allez, hop. Alors là, c'est la reine du pétrolas. Elle... Ça écrit pas. Elle peut se tirer de la baraque. Elle a ses flous, elle. On est bon, là. On est bon. Du coup, maintenant, il faut se focus un peu sur eux, là. Parce que eux, ils sont pas prêts de pouvoir quitter la coloc et avoir une belle maison sur les hauteurs, sachant qu'on est à 1000. Ok. Donc, il nous manque quand même 9000 balles. Hein. Et lui? Bon, alors lui, zéro. 1141, ouais. Après, eux, est-ce qu'ils ont intérêt à vendre des looks? Je trouve que ça fait pas trop sens. Ah bah oui, attends, j'ai pas compté les droits d'auteur de la pépette aussi, là. La pépette, Lupita. Alors, Lupita, c'est des plus petits nombres. Il y en a peut-être plus, donc en soi. Je ne te promets pas. 17, 62, 44, 75, 83, 82... Et 74 pour Brookita Forever. Ça fait 437 quand même. 437 ici. Il y a ma fenêtre qui s'ouvre toute seule. J'ai eu trop peur. Attends, elle est fada, elle. Ah, mais il pleut. Oh ma gosh. Il pleut, il pleut. Attendez, il faut que j'envoie un message à Rob pour lui dire de fermer les fenêtres, en fait. Ok, désolé. Surtout Spencer, notre boulet adoré. Mais lui, il va être bloqué à la coloc tout seul, en fait, si ça continue. Sauf si sa baby mommy, là, elle le calasse, elle le ralasse parce qu'elle a assez de sous avec la vente de sa tenue Gabrielle, là. De sa tenue Boudidou. Ah, c'est dingue, ça. Rob save the cat en mouvement. Il est devenu boulanger. C'est un très bon titre, ça, j'avoue. Bah d'ailleurs, elle est un peu comme deux rondelles de frites en mode bon. Voilà, voilà. Ah, si, on peut sortir un morceau. Enceinte d'un autre. Et on va en produire un nouveau, ouais. Mais c'est, on a que quatre styles, c'est un peu chiant, en vrai. C'est un peu nul. C'est un peu nul. Remixer un morceau. Guitare. Guitare puissante. Oh putain. Vous entendez, là? Ouais, j'avoue, les talons et le gros ventre, qui la peut, quoi. Elle mérite son ticket out. Je vais graver. Et là, on a dit, du coup, il est devenu boulanger. Putain, j'écris tout le temps majuscule. Il est devenu boulanger. Voilà. Ça va être un carton, je vous le dis. Ça va être un carton. Coucou Pookie, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va depuis hier? Ça c'est bon. Alors elle est énergisée, bah tu m'étonnes. Elle a réussi ses objectifs. Attendez, je regarde les règles vite fait là. Donc, avoir un sim jeune adulte, lui choisir l'aspiration célébrité, blabla, l'installer dans le quartier. Donc il lui reste 500 sim flous en poche. Il peut avoir un travail à mi-temps ou faire des petits boulots. Choisis une discipline. Le chapitre 1 se termine lorsque votre sim est une star montante et qu'il y a 10 000 sim flous dans le compte en banque. Donc c'est le cas pour Brooke, mais évidemment pas pour les autres. Donc les autres, ils n'ont pas terminé leur chapitre, mais au final, Brooke, elle a terminé quoi. Incroyable. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé le chapitre 2 puisque c'est mariez-vous, mariez votre sim ou faites-lui avoir des enfants. Je suis mort. Par contre, il faut vraiment qu'elle continue à essayer d'être célèbre. Parce que là, j'avoue qu'on a mis un peu ça de côté. Après, elle est enceinte, la belle, c'est bon. Elle devrait peut-être se faire suivre par son truc, là. Comme ça, je crois que ça augmente bien la notoriété, ça. C'est ça, l'utile. Il va sauver la maison de la pluie. Après, bon. Techniquement, je devrais même pas avoir à le dire, c'est évident, mais bon. Les zooms. Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? T'es bien dormi? J'ai vu mieux. J'ai vu mieux parce que Bébou a été un bébou, mais sinon ça va.
C'est l'habitude maintenant, vous savez. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Regardez, donc là, normalement, ça devrait augmenter sa petite notoriété. Attends. Parce qu'elle en est où, là? Ah ouais, non, elle est très très loin d'être au deuxième niveau. Hein. En vrai, ça fait longtemps qu'elle a posté aussi des trucs, genre des stories, des machins. Elle a qu'à faire ça, hop. Voilà, 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 voilà. Bon, après, je me concentre sur elle, mais en vrai, c'est plus nécessaire, quoi. C'est plus... Faut surtout se concentrer sur les deux autres, quoi. Pour qu'ils aient... pour qu'ils fassent un peu de flouze. Elle fait ses cartons. Bah, en soi, ouais. En fait, c'est bizarre parce que j'imaginais pas trop qu'elle passe au deuxième chapitre sans les autres. Du coup, j'ai l'impression qu'elle est là jusqu'à ce que les autres passent leur deuxième chapitre aussi, je pense. Je sais pas. Faut voir, faut voir. Parce que là, un moyen de faire gagner beaucoup de sous à Lupita et à Spencer de manière réaliste. Bah, en vrai, Spencer, le seul truc, c'est qu'il ait un contrat en or, quoi. Mais à part ça, je vois pas trop. Et elle, c'est pareil, genre que, je sais pas, le label, il lui donne du fric. Comme ça. Tiens, prends du fric. Je vois pas. Parce que oui, il y a le vin et tout pour être riche, mais bon, pourquoi ils se mettraient à faire du vin dans leur garage, là, ça fait pas trop sens. Je sais pas comment leur faire gagner beaucoup de sous d'un coup, là. Oh my gosh. Elle est vraiment en PLS. Le seul truc qui pourrait, c'est si elle vend sa tenue, elle dit à Spencer de s'installer avec elle. Parce que bah, du coup, elle a les moyens pour eux deux et qu'elle veut pas être toute seule à élever le bébé. Mais bon, ça fait que Lupita est toute seule à la coloc. Ça, c'est comment, là? Prendre et poser le linge. Propre et humide. Ah, putain, c'est sec dehors, là. Ah, mais ils l'ont jamais mis dehors? Mais... Pourquoi vous pouvez pas? Pourquoi les toilettes te gênent? Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Voilà. Et là, vider la lessive accrochée à la corde de linge. C'est dingue, ça. Première fois qu'il fait moche chez toi et soirée chez moi. Ouais, j'avais même pas vu, mais... Il pleut vache qui pisse, là. Incroyable. J'adore, patate, il y a un petit biberon qui s'est foutu au milieu, ça me fait trop rire. Ou Brooke vend sa tenue et propose de s'installer avec Lupita. Oui, aussi. Dans tous les cas, elle veut pas être toute seule à élever le bébé. Donc, voilà, on va voir un petit peu. Ce qu'il faudrait voir aussi, c'est un peu comment ils interagissent les uns avec les autres. Parce qu'elle avait fait ses petites interactions romantiques avec Lupita d'elle-même, quoi. Mais cette fois-ci, elle a pas l'air du tout d'en faire, donc je sais pas. Y a rien dedans. Okay. En tout cas, j'espère que la deuxième tenue va se vendre aussi. On dit pas non à 10K. Pas du tout. Attends, j'ai repris un contrat, lui? Oui, c'est vrai, il y va aujourd'hui. Ok. Le travail de Lupita commence. Elle est triste. Jour férié épouvantable. Ah putain, c'était le jour de l'amour, c'est vrai. C'est vrai que j'avais dit que je ferais un truc, mais j'ai rien fait. Bah, elle retourne. Oh, elle pleure! Béboune. Faut que t'ailles travailler, par contre. Je te le dis, va falloir arrêter de pleurer pour aller travailler. Tu ne songes tout de même pas à abandonner Spencer, pauvre Spencer. Impossible. Coucou Slowey, comment tu vas? T'as loupé un épisode, en effet, oui. Brooke est enceinte de Spencer, qui n'a pas l'air d'avoir très envie de s'occuper de l'enfant. D'ailleurs, attends, elle est encore fatiguée là, je pense. Ouais, ça va. Réveille-toi. Réveille-toi, tout simplement. Hop. Oh! Pff, il est temps de se barrer là. On peut pas avoir un bébé ici. On n'a rien qui est prêt. Remplir la demande en ligne d'adoption. Okay. Vie de couple. Décider de ne pas devenir amie. Préciser ses attirances. Décider d'être abstinente. Menu principal de Midsim. Oh putain, j'avoue! On pourrait inscrire Lupita. Sur Meet Sims? C'est où? C'est là? Rencard Meet Sims. Consulter les profils selon certains critères. Match auto, rencard à l'aveugle. Rencard à moitié à l'aveugle. Message privé, c'est quoi ça? Commencer à discuter avec... Oh purée! Incre. On peut peut-être discuter avec vos Sims du coup. C'est trop. Discuter avec des Sims ayant
Attends, avant de les rencontrer peut aider à développer une relation. Je sais pas si on fait ça ou pas, parce que vous avez envie qu'elle soit avec Brooke. C'est ça le truc. Tu es triste ? Arrête et va travailler. C'est la solution à tous les maux. Pas du tout. Vraiment pas. Ou alors on fout Spencer sur un site de rencontre et Brooke l'apprend et ça va chier les bulles. Ça, c'est quoi ça ? Une nouvelle vie en moi. C'est vrai qu'elle est tellement heureuse de sa grossesse, elle. Mais du coup, oui, c'est pas ce que je voulais faire de base. De base, je voulais faire grossesse, parentalité. Faire une échographie, ça, on l'a déjà fait. Avis sur la grossesse. Bah, frère. Ça y est, maintenant. Hein. Fertilité, risque de complications. J'avoue. Merde, au niveau des complications, elle est comment ? Ceci influencera le risque de fausse couche et autres complications. 1 est la valeur la plus basse et 5 la plus haute. Et elle est à combien elle? 4 ! Incroyable. Si elle a un bébé, en fait, c'est limite un miracle, en fait. C'est ouf. Il y a moyen qu'elle n'aille même pas au bout de sa grossesse, la pauvre. Ah ! Bah, de ouf, hein. Franchement. Chaud là. On va se détendre. Non, on va discuter avec les collègues, tiens. Ah, elle est partie lui parler. Attends, qu'est-ce qu'elle lui raconte? Oh, putain, ils sont romantiques. Se faire draguer par... Ah, lui, il drague. Mais il est en colère, il est tendu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En choix... Merde, putain. En choix sans aller dans plus de choix. Se blottir contre. Parler de mariage. Demander d'aller se faire dépister. Chatouiller sans pitié. Bah, a priori... Le crac-crac sans protection a déjà été fait, hein. On va se blottir contre, mais c'est que des trucs romantiques, hein, par contre. Partager ses incertitudes, ok. C'est que ça y est, j'ai son genre préféré. Embrasser, non mais c'est dingue, elle est vraiment accro à lui. Et lui, est-ce qu'il a des trucs comme ça pour elle ou quoi? Se plaindre du temps lié, discuter des techniques d'entraînement, ok. En fait, le plus intéressant, ce serait de voir comment ils interagissent avec Lupita, surtout. Oh putain, attends. Bonjour Brooke, vous m'entendez? Ici l'agence de publicité, nous avons un job d'influenceuse à vous proposer pour lequel vous seriez parfaite. Pourriez-vous faire une vidéo, n'importe laquelle, et la mettre en ligne via la station? Ok. N'ayez crainte, nous prendrons soin de modifier votre apparence dans les images finales. Pourquoi tu veux modifier notre apparence? On est très bien. Si vous nous envoyez cette vidéo dans les 24 heures, vous recevrez un paiement immédiat et des droits d'auteur à chaque fois qu'elle sera visionnée à plus. N'importe quelle vidéo, bah let's go. Je vous assure que ça marche pas du tout comme ça, les publicités. Hein. Y a aucune marque qui dit « faites n'importe quelle vidéo et on vous envoie du fric ». Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Ah, Brooke a retrouvé sa tenue habituelle, j'avoue ! J'avoue, j'avoue ! On n'a plus rien, de toute façon, il faut filmer un truc. Enregistrer une vidéo. Merde, je suis avec Spencer ! Enregistrer une vidéo. Voilà, évaluation de produits. Des petits produits de beauté, voilà. Les produits, les meilleurs produits pour la grossesse, ça, voilà, quelque chose comme ça. Oh purée, les petits droits d'auteur qui font plaisir. Ok, elle en a pas mal aussi, mais elle a vraiment plus besoin de... Enfin si, on a toujours besoin d'argent, mais voilà, elle a plus besoin d'argent pour se tirer d'ici. Par contre, elle, oui. Alors voyons voir. Putain, c'est des petites sommes, hein. C'est des petites sommes. Enceinte d'un autre a fait pas mal de sous, j'avoue. Alors, calculatrice. On est parti. 11 plus 41 plus 51. J'ai fait 54. Oh là là. 11 plus 41 plus 51 plus 54. Bah, du coup, il était juste après. Plus 91 plus 86 plus 82 plus 93. 509. Ça augmente bien, en vrai, parce que faire 500 simflouses par jour, c'est pas mal. Mais ça augmente pas assez vite, quoi. Ça augmente vraiment pas assez vite. Pas autant qu'un look stylé, quoi. Enfin, les vidéos en sous-vêtements. C'est le retour. Elle est vraiment en PLS, par contre, la pauvre. Ça lui va bien, la grossesse. Elle est trop chou, en vrai. Je crois que c'est ma petite préférée du moment. Regardez-le, l'autre gros plouc, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il a? Trop de corvées. Mais tu... Trop de corvées, trop de corvées. Il est chiant. Il est chiant, il est chiant.
Qu'est-ce qu'il a? Ah ouais, ça, on a déjà vu. Il a faim, là. Bah, va manger, mec. Mec. Regarde, ça, c'est lui, ça. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui, hein, j'en suis sûre. Hein. Bah oui, regarde, Spencer. Allez, mange. Non, mais il a abusé, ce type, vraiment. Alors, Lupita ne sait pas quoi faire au travail. Un nouveau collègue a rejoint l'équipe et Lupita veut se présenter, mais a peur d'être mal à l'aise et de faire mauvaise impression. Bon, bichette, faire le maximum pour se faire un nouvel ami. Perte de performance. Carrément ! Lupita panique, bredouille et dit quelque chose de vraiment gênant. Pourquoi ça me fait penser à l'anecdote de Cocomante, du coup, ça ? L'anecdote de Cocomante au boulot. Cela offusque son patron et son collègue. Et sa performance au travail en pâtit. Bon, toi, ça va, ça avait pas pâti, Léa, mais quand même. Ok, bah c'est dommage quand même cette histoire. Attends, elle doit être trop gênée là. Oui, embarrassée. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Peu cher, moi je voulais juste qu'elle ait un pote. Se plaint d'avoir trop de corvées, mais fait ensuite un gosse. Purée, je te jure. Littéralement moi. Je te jure, c'était. J'ai direct pensé à toi. Quand j'ai lu le truc, c'est trop. En plus, la journée de taf, elle est loin d'être finie, hein, ma belle. Hein, courage. Elle, c'est pareil. Attends, je me rappelle plus ce que c'est son point d'autorité, là. Il sert à quoi? Ah oui, voilà, c'est ça, c'est les partenariats. Du coup, c'est ça qu'elle a le truc... Ok, c'est ça, souvent, elle a des messages, ça vient de ça. Et lui, son truc, il sert à quoi, déjà? Parce qu'il faudrait quand même qu'on les utilise, tac. Remarquable. Spencer a quelque chose qui lui permet de se démarquer de la foule et de se faire remarquer par les autres. Ok. Donc il faudrait peut-être qu'on sorte un peu de la baraque. J'avoue qu'on est à la maison depuis le début. Ah oui, et il y avait aussi les spécificités à prendre en compte. Attends, ça c'est les scandales. Spécificité. Au cours de sa carrière, votre sim peut acquérir des avantages mais aussi des bizarreries. Ses quirks sont attribués au fur et à mesure que les sims changent de niveau de notoriété. D'accord. Donc du coup, j'avais fait un truc. Ouais, je vais le retirer de la corbeille, c'est vrai, il était dans la poubelle ce truc. Donc du coup, pour la carrière acteur-actrice, il faudrait qu'il ait vanité exacerbée, aime côtoyer des stars, bombe émotionnelle ou acteur sérieux. Streamer, c'est accro au téléphone, un fan obsessionnel, ne me touchez pas l'air affiné. Et enfin, musique, c'est accro au jus de fruits, courrier de fan, numéro public, coqueluche des paparazzi. En vrai, accro au jus de fruits, ça fait vraiment genre, elle a commencé la picole Lupita parce que Brooke est enceinte. Ça me fait trop rire. Enfin, ça me fait trop rire, c'est trop triste en vrai. Du coup, comment on fait par exemple pour Spencer, si on veut faire la vanité exacerbée, je crois qu'il faut qu'il se regarde tout le temps dans le miroir, si je dis pas de conneries. Là, vous êtes magnifique, utilisez souvent des miroirs, ok, on va faire ça. Je crois qu'on peut en débloquer qu'un pour le moment. Influenceur, on peut développer accro au téléphone, ouais. Il faut juste être sur son tel tout le temps, je crois. Utilisez un portable pour se divertir, ok. Et pour Lupita, accro au jus de fruits, courrier de fan. Accro au jus de fruits, comment on fait? Boire souvent du jus de fruits. Et courrier de fan. Bah ça, par contre, en tant que célébrité, discuter avec des fans, ok. Numéro public. Utiliser des interactions sociales avec le téléphone. Et coqueluche des paparazzi. C'est là. Être amical avec les paparazzi. Ok, on n'en a pas trop vu. En même temps, on sort pas de la maison. Donc, d'accord. Ok, je vais essayer d'avoir, du coup, vanité exacerbée pour Spencer. Accro au téléphone pour Brooke. Et l'un des autres pour Lupita, je sais pas encore. Accro au jus, peut-être. Ou numéro public, c'est facile. Faut juste se divertir, je crois. Numéro public, faut se... Non, il faut faire des interactions sociales. Ok. Merde. Je fais un screen de l'écran, pas du tout. On va essayer de faire ça. Donc toi, tu vas te regarder dans le miroir, là. On va faire ça, se refaire une beauté, s'entraîner... Non, peut-être pas s'entraîner à jouer, je pense que ça va être trop long. S'entraîner à débattre, se refaire une beauté, voilà, il va se faire des beautés. Comme ça, il va peut-être avoir le trait. Coucou Mila, comment ça va? Waouh, je viens de voir la chartine on the corner, c'est intéressant, purée. Ça va, ça fait pas trop peur de le voir au-dessus de ma tête comme ça, là? Enfin, à côté de ma tête, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Ok, il se fait beau. Et elle, du coup... Putain, elle est en colère, hein. Elle, du coup, faut qu'elle utilise ce téléphone pour se divertir, hein, si je dis pas de conneries. Donc, on va faire divertissement. Surfer.
jouer, surfer, jouer. Et peut-être que si même si elle fait des trucs genre ça là, je pense que ça peut marcher aussi si elle le fait souvent. En vrai, oh, putain, on peut plus. Ok, ok. Soyons francs, ce chat est affreux. Mais on l'aime pour son histoire et parce qu'on aime Cap en ce moment. Oh, bibou. Non, mais c'est vrai qu'il est pas très beau. Mais bon, voilà, ça fait un petit souvenir des lives, quoi, tu vois. S'il est là jusqu'à l'année prochaine, peut-être qu'il y aura des nouveaux l'année prochaine. Ils diront, c'est quoi cette peinture? On dira, oh purée, c'est un souvenir des débuts. Voilà. Allez, essayez d'avoir vos quirks, là. À défaut d'avoir des sous. J'étais présent lors de sa création, je suis donc malheureusement trop impliquée pour critiquer. Un petit peu, hein, franchement. Le moment des yeux, on s'en souviendra très longtemps. Non, parce que c'est fini les stop goal peinture. J'ai trop souffert. C'est le mercredi et dimanche, Mila. Ok, 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 j'espère vraiment débloquer le truc là, mais... Ça y est! Nouvelle spécificité, accro au téléphone. Putain, c'était super rapide. Ok, donc les autres sont bloqués. Pas de soucis, on les débloquera aux autres niveaux. Putain, c'était trop facile. Ok. C'est fini, ce goal peinture, ça c'est ce que tu crois. Oh putain, je me fais pipi dessus. Ah, c'est la cata, c'est la cata. Et toi, tu débloques pas les trucs... S'entraîner à débattre, ok. Carrément, il a reçu... Oh va, va prendre une douche devant lui. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont été un peu intimes, j'oublie, mais... Bon, il se refait des beautés, il se refait des beautés. Putain, elle est au troisième trimestre. Oh my gosh. Ça, vanité exacerbée, let's gong. Mais c'est trop facile, hein. Comment l'obtenir, utiliser pour numéro. Avoir en permanence un physique... Blablabla. Ok, donc déjà, on a des petits quirks, là, pour eux. Il faut juste que j'arrive à avoir Lupita quand elle rentre, mais... Elle est triste, la pauvre bichette. Mais elle est crasseuse, elle, j'avais oublié. Purée. Du coup, elle, elle peut prendre un congé, donc ça veut dire qu'elle est au troisième trimestre. Putain, elle va bientôt accoucher. Je suis mort. Excusez-moi, pourquoi il n'y a rien dans l'inventaire vidéo? Pourquoi il n'y a rien? Elle n'avait pas enregistré une vidéo? Vlog, histoire mortifiante, mais qu'est-ce que... What the fuck? Mais, purée. Je croyais qu'elle avait filmé une vidéo, là. Elle l'a pas posté direct, hein. Ses yeux me hantent encore. Les yeux saucissons. Les yeux ont aspiré l'âme de tous les viewers, même en rediff. Purée, je suis désolée pour ça. Hein. Elle a mis les sous, là. Elle est vraiment trop triste, bichette, elle me fait de la peine. Putain, elle pète encore. Elle a vraiment des problèmes, hein. Elle pète tout le temps, cette meuf. Et du coup, elle, on voulait qu'elle ait un numéro qui leak ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai oublié ce que c'était. Je sais plus, je crois que c'est social sur le téléphone. C'est ça? Numéro public, utiliser des interactions sociales avec le téléphone. Ok. Donc social. Écoute, elle va faire des appels vidéo avec lui. Elle va discuter avec lui. Bon, elle a pas grand monde en fait à appeler. Je suis mort. Envoyer un SMS, tac. Envoyer un SMS à lui également. Il va falloir qu'on aille en ville la rencontrer d'autres personnes parce que ça le fait pas du tout là. Ça le fait pas du tout. Brooke, jeune mère influenceuse, dévoile toute sa vie du ou des bébés. Non, il y en a qu'un, Slowy, heureusement, sur les réseaux sociaux. Reportage sur ces mères qui dévoilent leur enfant tout en ne faisant des vidéos qu'en sous-vêtements. Entre Lupita qui pète et Brooke qui change jamais de culotte, c'est la coloc de l'hygiène, tout ça. Je te jure. En plus, ben oui, en plus elle s'est... Mais elle s'est repissée dessus en vidéo. Purée de patate. Et lui, il est toujours devant son miroir. C'est bon, tu peux lâcher la grappe, hein, frère. Il est parti voir quoi? Un poster, non mais... Son cringe, des fois. Son vraiment cringe. Il est en geôleur et tout, juste parce qu'il s'est maté dans le miroir. Bon, déjà, on va passer sur ça. J'ai juste envie de voir ce qu'il a comme interaction, sans aller dans plus de choix. Raconter une histoire délicieuse, demander de garder une relation amicale. Mais... Frère, pour qui te prends-tu? On va complimenter l'apparence. Demander comment s'est passée la journée. On voit bien qu'elle est triste, quand même. Se plaindre de la chaleur, c'est un vieux en fait. Oh, il fait chaud! Ah, c'est vrai qu'il est archéologue, il est tout ce mec.
Pour une fois, Spencer n'a rien à faire avec tout ça. Pour une fois. Mais pourquoi il est encore en pyjama, lui, au fait? Vous êtes habillé, là? Oh putain, ce jeu. Elle a fait « Oh !» On va raconter une histoire délicieuse, un peu de légèreté. Oui, elle aime le papotage, voilà. Prendre une pause sexy. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de Brooke qui va arriver et qui va être jalouse. Quoique, elle est occupée à se pisser dessus, elle, elle peut pas. Ok, t'as filmé, là, ça y est? Non, elle a pas fini encore, mais dépêche! Qu'on en finisse, qu'on ait les sous, là! Ok, vlog de vidéo embarras. Ah, c'était un vlog embarras au final? Ok, ça, on le met en ligne comme ça, on s'en fout de la qualité, on va être payé de toute façon. C'est comme ça. Sans simflouze, c'est tout. Brooke, cette vidéo est fantastique! Ok. Sans simflouze, c'est sans simflouze, hein, allez, on va pas se plaindre. C'est pas vraiment elle qu'en avait le plus besoin, mais bon, on va les prendre quand même. Oh là là, les dramas. Ouais, en plus, elle est... Ils sont où? Il y a un truc avec Brooke, c'est quoi? Embrasser. Oh purée! Ah! Elle est enjôleuse! Attends, 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 attends. Venez vous asseoir tous ici, là, qu'on rigole un peu. Non, mais venez vous asseoir tous dans la cuisine, là, que ça soit pas du tout awkward. Hein? D'accord? Vas-y, dites-nous pourquoi vous êtes enjôleur? Qu'est-ce qu'elle a avec lui? Raconter une histoire drôle, inviter à venir cuisiner. Ça, je pense que c'est suffisant pour lui faire péter un crâne. Qu'est-ce qu'il a avec elle? Quand il est sur drôle, draguer. Oh, devant Brooke, ça va péter un crâne. Ça va, vous allez bien? C'était sûr. En plus, elle est réceptive, Lupita. Je pense que Lupita, elle est juste vexée, tu vois. Parce qu'elle en veut un petit peu à Brooke. Attends. Oups, vision impossible à oublier. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça, c'est peut-être quand elle s'est pissée dessus, ouais. Ça, c'est possible. Je sais plus, on est là, enragée, jalouse, furieuse. Jalousie furieuse. Ok, 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 ok. Et elle a un truc avec elle. Oh putain, on peut même pas lui parler. Ah non, attends, c'est moi, je suis bête. Là, se plaindre de la vie amoureuse, demander comment s'est passée la journée. Ouais. Et avec lui, elle a quoi? Partager ses incertitudes. Demander à garder le bébé. Mais ça, c'est bon, on a compris. Il était au troisième trimestre. C'est bon. Il va embrasser Brooke, je vais m'énerver. Faire travailler des heures durant une mère enceinte. Ouais, debout, ouais, j'avoue, j'ai abusé. Forcément, elle se fait pipi dessus en pleine vidéo. Ça va faire le buzz, cette histoire. Je te jure. Elle sait ce qu'elle fait. Ils sont tous les trois très, très cringe, hein, j'ai envie de vous dire. Là, il y en a deux qui sont hyper enjôleurs. Technique de drague, mais c'est trop. Dites-le si on vous gêne. Hein. Ouais, Lupita veut rendre jalouse Brooke, c'est ça. Par contre, ça se fait pas pour Brooke, la femme enceinte, quand même. Ça, c'est pas très sympa. C'est très toxic behavior, tout ça. Voilà, elle est plus enjôleuse, elle. Et est-ce qu'elle peut avouer son attirance? On peut avouer notre attirance à Brooke. T'es en colère, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? T'aurais dû me le dire avant que j'ai cette aventure avec Spencer. Non, par contre, ça, se faire insulter par Brooke, ça va, on se calme, on se calme, on se calme. Brooke, tu es enragée, tu es très en colère. Ne dis pas des choses que tu vas regretter. Viens essuyer ton pipi. Viens essuyer ton pipi. Ça va partir en trouble, ça. Ils sont tous toxiques ici ou... Ouais, j'ai l'impression, hein, quand même. J'ai l'impression que c'est la colloque de la toxicité. Hein. C'est difficile de savoir ce qui va se passer par la suite, là, je vous avoue. Qui va finir avec qui? Moi, je crois qu'ils devraient tous vivre séparément. Hein. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Attends, il va aller à son audition, lui. Et après, on va inviter Brooke, la baby mummy, là. Faire quelqu'un est en colère, vas-y. Il va l'inviter au resto pour se faire pardonner, voilà. Spencer, il est bête. Ça va? Il remarque même pas ce qui se passe sous ses yeux, celui-là. On n'est pas étonné. C'est Spencer, après tout, voilà. Voilà, 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 voilà. Un peu à quoi de tout ça? Comment ça va, sinon, toi? Qu'est-ce qu'il a comme truc?
Échanger le numéro de téléphone. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Et elle, elle a quoi promettre de dédier un morceau. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ah, Whoopi Gorge, bien sûr. Marié au premier regard. Marié au premier bébé, je dirais. J'avoue. Pauvre Brooke. Hey, j'ai entendu parler de sa récente amitié avec Spencer, il est vraiment sympa. J'ai mes doutes. J'ai mes doutes about la sympatitude du type. Ouais. Ok, je sais pas pourquoi il y avait une petite notif là. Du coup, attends, il faut que je continue à faire du truc social pour elle là, pour qu'elle puisse débloquer son petit quirks. Tac. Mais Coco, c'est ton quatrième mois d'abonnement. Mais un abonnement de niveau 2 pour 3 mois d'avance. Mais Coco, mais pourquoi? Mais merci, merci Léa, mais c'est son... merci, c'est... ça me gêne. Tu sais déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. C'est trop mignonne, c'est vraiment la meilleure. Oui, je sais, j'ai craqué ma culotte. Mais oui, tous les jours elle craque son slip, tu en as marre? Merci beaucoup. On se sert. Hein. Merci, t'es trop mignonne, merci. Attendez, je voulais aller voir. Oui, voilà, c'est ça, je voulais faire ça. Envoyer un SMS. Proposer un rencard, non. Appeler un... Je sais pas si ça suffit pour débloquer le quirk, mais... Lupita qui se venge de Brooke et Brooke qui va se venger de Spencer et Lupita. Ça va faire mal. Elle va leur cuisiner du poisson, là. Oh, t'imagines le poisson qui les fait clumsy. Incroyable. Oh putain, les filles se retrouvent toutes les deux. Ah oui, mais merde, elle est endormie. Hein. Hop, réveille-toi un peu. Partager ses incertitudes. Complimenter la tenue, tu parles. Discuter d'équitation. Demander comment se passait la journée, il est temps. Tu me diras. Sauf que moi, je la change quand même. Ah bon? Mais tu fais pas des vidéos en culotte comme Brooke, toi? Ah bon? Attends, ça, je mets là. Putain, le linge, il schmoute de partout, j'en ai marre. Je crois qu'on parle pas assez du jardin, quand même. Je l'ai mis vraiment où? À l'endroit parfait, là, je pense. On le voit à toute heure. C'est vraiment nickel. Elle mange un petit sandwich, là. Mais elles étaient pas en train de parler? Elle a décidé de quitter le truc, quoi. Pour boire un verre d'eau. D'accord. D'accord. Tu le dis si ça t'intéressait pas ce que je disais, en fait. Demander des conseils sociaux. Ah, oh, il y avait conversation profonde, complimenter l'apparence. Technique de drague osée, elle ose tout. Moi, je veux vite voir avec toi, je vais l'élever, le bébé. D'accord. En fait, je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se donne un goal. Vu qu'on saura peut-être pas décider. Enfin, si vous préférez Brooke... avec Lupita qu'avec Spencer. Mais ce qui serait drôle, c'est que ce soit pas nous qui choisissions, mais que ce soit le jeu. Et genre, du coup, Brooke, ça y est, elle est à 10K, vous voyez. Et le premier entre Spencer et Lupita qui est à 10K, c'est lui qui remporte le cœur de Brooke. Qu'est-ce que vous en pensez? Nouvelle vidéo, ma meilleure copine et le père de mon enfant sont malheureusement décédés. Je te jure. De quoi elle parle, là? Discuter, ok, on sait pas. Lui, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, juste quitter plutôt, ok. Et le travail, elle va travailler de la maison. Mettre à jour la biographie en ligne avec un portrait professionnel en... carrière. Oh putain. Elle est toujours mal à l'aise de fou. Merde, j'ai fait trouver un travail, c'est pas ce que je voulais faire. Mais elle est toujours mal à l'aise de fou, elle a toujours quelque chose qui va pas à elle. Allez, Lupita. Donc, Brooke n'est motivée que par la moula. C'est ça, Caneline. Non, mais en vrai, on sait pas. C'est juste, ça nous permet, nous, d'avancer dans l'histoire. Mais en vrai, je pense que... Putain, mais pourquoi ils foutent ça, là? Je pense que c'est pas pour une question d'argent, c'est juste... voilà, c'est juste pour nous, en fait. Comme ça, c'est pas vraiment nous qui décidons. Très mal à l'aise, elle va dormir. Elle est épuisée, ok. Et toi? Mais ils font chier à jouer aux échecs, là. Tu veux pas continuer à faire un peu de musique, non? Sortir le morceau? Bah voilà, il est devenu boulanger. Eh oui! T'as besoin d'une douche, aussi.
Merci Saturne. Il est beau, ouais. Il est beau ce petit PC. La durée de mise en vente de votre Gabriel sur Cilia a expiré. Le look a été remis dans votre inventaire. Non ! Ça se trouve, c'est plus la mode maintenant. Attends, c'est elle. Je l'avais mis trop cher. Ok, on va la vendre moins cher, ça va. On va la vendre que 5000. C'est bien. C'est moitié prix, hein. Moi, j'aurais acheté perso, mais ok. Non, mais je comprends pas trop. Genre, où est le problème avec une tenue à 10 000 simflous? Enfin, à un moment donné, ça va, quoi. Attends, c'est quoi ça? Mettez en ligne le portrait professionnel en prenant une photo avec votre appareil photo du téléphone, puis en cliquant sur l'objet photo dans l'inventaire. Ok, très facile. Pas de soucis, je peux faire. Caméra. Prendre une photo. Je suis désolée, je fais que de te réveiller. Ah, tu veux pas? Ah, tu veux pas? Mais tu vas voir. Oh, elle va exploser. Mais par contre, je vous jure que c'est un exploit si elle a l'enfant, parce que on a vu que elle avait un risque de grossesse incroyable. J'espère que c'était pas un selfie qu'il fallait prendre. Hein. Mettre en ligne le portrait professionnel. Voilà. Ce ventre, non, il est énormissime son ventre. Je vous jure qu'on dirait qu'elle a des jumes, mais on sait que qu'elle a qu'une fille. Qu'est-ce qu'il a lui? Dédicace musicale. Oh putain, il est casse-couille ce type. Pardon. Du coup, j'imagine qu'il l'a, c'est bon. Spencer, vous avez décroché une apparition dans la série Les Herbs. Ok. Réglez votre réveil et arrivez à l'heure sur le plateau. C'est quand? Lundi à 9h. Ok, on a une journée. Et du coup, comédie et émotion en jouleuse. Ah bah, nous vous la ferez. Nous vous la ferez, nous vous la ferez. Pitié, un jumeau caché pour que Brooke soit en PLS. Bah, il n'y aura pas qu'elle hein, qui sera en PLS. Mais arrêtez, c'est possible ça? Enfin, c'est possible IRL, bien sûr, qu'on ne voit pas les jumeaux dès le début, mais dans le jeu, c'est possible ou pas? Alors là, il est 21h30, j'aimerais qu'ils aillent au resto ou je sais pas quoi avec Brooke, même si elle est en PLS de chez PLS. On a un resto, ouais, on a ça. Enfin, c'est un café, techniquement. Allez, vas-y, c'est pas grave, on va au café. Je suis mort. Il l'invite même pas dans un fancy restaurant, il l'invite au café. Oh, c'est tout Spencer, en vrai. C'est fidèle à lui-même. Il est en train de ronfler sur le canapé, là? Purée, il est trop mignon en vrai. C'est l'alcool aussi, c'est pour ça. Attends. On va. C'est où qu'on réserve une table? Wesh. Je suis aveugle? C'est où qu'on réserve une table? Il est où le truc pour réserver une table? Je pète un crâne. Ah, ici, purée. Attends, je veux demander une table, mais je voudrais que vous changez de tenue là, parce que ça va pas le faire. Bah, lui, ça va. Ça va, sa tenue. Mais toi? On aurait dû lui faire des nouvelles tenues de grossesse, en vrai. Attends. Commode. Changer la tenue. Qu'est-ce qu'elle va mettre? Il fait chaud? Ouais, ça va. Elle peut mettre cette petite robe, là. Oh, trop mimes! Ok. Elle a envie de dormir. On va juste l'aider un petit peu. Elle a pris un petit café avant de venir. Hein? Voilà. Très bien. Hop. Donc là, on va demander une table. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on peut choisir une table en faisant ça. Je vais plutôt faire ça, en fait. Quelle table on veut? Celle-ci. Demandez une table, voilà. Mon chat fait pareil. Un chat, un mec, c'est kiff-kiff. Hein. Oh, la pauvre, comment elle marche? Elle a jeté un coup d'œil au mec. Oh, mignon lui. T'es déjà bien occupé, là, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, May Prescott? Elle a mal au dos, mais tu m'étonnes, t'as vu comment elle se tient? Heureusement, elle avait des chaussures plates sur cette tenue, je vous jure. Spencer, ça me saoule déjà, le pack restaurant. Voilà, voilà. Je suis pas triché, non? Elle a bu un café avant de venir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Spencer, reste assis! Pardon. Spencer, s'il te plaît. Reste assis. Assis-toi! Putain. Spencer, ta grande tante, il va admirer son beau reflet parce que... Oh, restez assis, je t'en prie. Spencer, je vais péter un crâne. Je vais péter un crâne. Je vais péter un crâne. Ok, très bien. Donc, je voulais qu'on parle. Pouvez-vous nous parler, s'il te plaît? Amour, il va lui dire, t'es jolie. T'es jolie, mais pas autant que moi parce que j'ai vraiment envie d'aller me regarder dans le miroir, là, tu vois. Complimenter l'apparence. Ne vous levez pas. Ok. J'ai eu peur.
très bonne réputation. Il fait un compliment à sa meuf au resto, du coup, il a une très bonne réputation. Enfin, c'est logique, quoi. Sortir le gâteau. On peut sortir un gâteau comme ça, là ? Ok. Bon, elle, bien sûr, elle kiffe. Oh, merci, t'es trop mignon, Spencer. Draguer, voilà. On va peut-être commander pour la table aussi, il faudrait bouffer un peu. Faudrait manger parce qu'il est 22h et on va déjà manger à 6h du matin avec ce jeu, donc... C'est toujours un enfer, Quintino. Putain, c'est trop chiant. Genre, j'espère vraiment qu'on va avoir un truc pour réparer ça. Oh, putain, les repas sont nuls à chier. Petite salade César. Pour Spencer. Et pour elle... Putain, c'est gastronomique ou quoi? Il y a vraiment... Regarde, tu manges trois asperges. Soupe de courge, pain pita avec de la mousse, mais c'est... Ah mais attendez, je suis dans entrée. Ah, oh. Oh, je comprends mieux. Je suis juste bête. Hein. Ok, plat principal. C'est pas beaucoup mieux, si je puis me permettre. Coupe de légumes du jardin sur alvéole. Ça, ça a l'air fancy. Rouleau de bambou ancien glacé. Ok, moi je veux des trucs fancy comme ça. Donc on va prendre coupe de légumes, là. Pour les deux, hein. Nouilles de betterave semi-ferme. Non, on va prendre ça plutôt, pour elle. Voilà. Et en petite boisson, on n'a pas un petit verre de vin sympathique, on n'a que des cafés. Ah si. Un rouge pour lui. Un blanc pour elle. 67ème flouze ! Avec l'argent de la coloc, bien sûr. La pizza de la mama. Attends, pourquoi on voit qu'elle est nouvelle, Mila ? J'ai pas vu. Ah si, là. Waouh, le gros mot qu'avance. Ah. Ah oui, le vin enceinte, c'est vrai. J'ai oublié pendant une fraction de seconde qu'elle était enceinte. Je vous jure, c'est la vérité. J'ai oublié. J'ai simplement oublié. Je vous rassure, ça m'est pas arrivé quand moi j'étais enceinte. J'ai pas oublié. Je suis juste con. Un petit peu d'eau pour toi, ma belle. Voilà. Allez, ça commande. Je vais me retrouver à la rue d'ouf. Je suis pas quelqu'un de très poli. Je coupe sur YouTube parce que sinon je suis démonétisée. Et aussi parce que c'est une autre ambiance. Mais oui. Je suis pas très très poli, j'avoue. Ok. Tu vas faire quoi en fait là? Je t'ai pas demandé de rester assise? Ils me font chier. Je te jure. Mais qu'est-ce que... Je te gêne? Prends ton livre de mort, toi. Oh putain. Ça va? Ça va? J'avais prévu quelque chose pour ce dîner là, vous pouvez vous tirer? Merci. Jean-Luc, c'est Jean-Luc ça? C'est Jean-Luc, mais Jean-Luc... Jean-Luc, just go, ouais, voilà. Partagez la grande nouvelle au paparazzi, non, vas-y, cassez-vous. Spencer? Spencer, qu'est-ce que tu vas lire un livre? Tu sais pas lire. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Lire Belle Prise. Et vous avez pourtant vu, j'ai un mode où je leur dis, genre, restez assis. Placez le sim ici, Brooke. Reste assis. Spencer, placez le sim ici. Spencer, reste assis. Ne lis pas un livre. Il sort d'où, le livre? Jean-Luc, ma vie. Mais Jean-Luc, il casse les couilles. Enfin, je l'adore, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais là, Jean-Luc? Ah, mais elle a envie de faire pipi. Non, mais vas-y, elle m'a saoulé. Est-ce qu'on peut avoir un repas normal? Assis-toi. Brooke. Oui, voilà, c'est ça. Vas-y, viens. Viens. L'autre, il lit son livre. Vas-y, c'est pas grave. On va faire genre, on n'a rien vu. Amour. Affection. Prends une pause sexy, il te voit pas, il est en train de lire, a priori. Il est en train d'essayer de décortiquer la phrase. Parce qu'il y a quand même des phrases un peu compliquées, il trouve. Je suis trop méchante avec lui. Voilà, voilà. On va complimenter l'apparence, son apparence à lui également. Ah, merci de plier ton livre. Ça fait plaisir. Du coup, Spencer, il a un petit truc à lui demander. Attends, ça va être là-dedans. Attends, ça... Oh ah, je suis dégoûtée, je voulais qu'il la demande en mariage. Parce que comme il a un peu des doutes et tout, mais en fait, il peut pas, lui. Il n'y a que elle qui peut. Oh, je suis dégoûtée. Bon, moi, c'est pas grave, c'est elle qui va le faire. Allez, vas-y, let's gong. C'est là, je crois. Demandant mariage en raison d'un enfant ensemble. Elle va se dire, il a organisé un super repas pour nous. Voilà. J'ai envie de faire ma vie avec lui parce que c'est le père de mon bébé. Cringe.
Ouais, une petite refonte de restaurant, ça ferait pas de mal. A priori, il y a des indices comme quoi ça va arriver, donc à voir. Lui, il veut récupérer son livre. Merci. Oh, il l'a recalé? Il l'a recalé, je crois. Demande rejetée. Oh, le cringe du repas. Le cringe du repas. Non, par contre, oui. Je pense qu'il a bien fait parce qu'en soi, ce couple est voué à l'échec. Mais le cringe du repas, par contre, là, tu vas manger tranquillement ta salade. Elle est toujours romantique, elle voit pas le problème, elle. Moi, je suis toujours enjeuleuse. Hein. Merci pour le dîner. Ah, c'est trop cringe. Attends, il y a écrit quoi exactement? Ce n'est pas franchement une bonne idée. L'autre Sim n'a pas envie de se marier, même si on lui a dit que l'enfant de Brooke était aussi le sien. Demande rejetée. Ça donne l'ambiance, ouais. Non, vraiment. Il a un truc, lui, par rapport à ça ou pas? A refusé une demande en mariage. Spencer pense que se marier sous prétexte d'avoir un enfant ensemble n'est pas une bonne idée. Cette personne lui a dit que cet enfant était de lui, certes, mais cela n'est pas une raison valable pour forcément se marier, d'après Spencer en tout cas. Attends, mais du coup, il pourrait carrément même lui répondre genre « Mais t'es sûr qu'il est de moi ?» Genre, il va lui dire « Tu pourrais pas faire un test de paternité quand même parce que je sais pas dans... Je sais pas où tu patouilles, toi. Et bon appétit, bien sûr. Elle va être vexée, non? Bah, elle est un peu choquée, quoi, en mode, pardon? Elle y va maintenant? Mais pourquoi elle y va pendant le dîner, à minuit, un dimanche? Putain, attends, il écrit quoi? Test de paternité. La vérité est sur le point d'éclater, qu'elle plaise ou non. Attends, il y a le serveur qui est en mode « Elle est partie, vous voulez que je débarrasse ?» J'avais pas vu, il était assis là, lui aussi. Mais attendez. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est trop cringe. Mais laissez-le manger. Après, si je suis enceinte d'un gars et qu'il me dit « Mais t'es sûre que je suis le père ?» Je pense que je me casse aussi. Mais elle est trop bête. Elle est partie faire le test, quoi. Genre « Oui, mais je vais te prouver que oui !» Les aspects sur Twitch, c'est vraiment un autre level. Bah, le truc, c'est qu'on peut rien couper, quoi. Ça, c'est sûr que si c'était sur Twitch, j'aurais fait genre... J'aurais tout fait pour que ce soit lui qui fasse la demande et tout. Mais là, voilà, quoi. Nox le dévore du regard de Loki. De ouf, hein. Après, Nox, bon... miam miam, quoi. Voilà, on va dire les termes. Ils vont s'en souvenir de ce repas. Bah, elle, pas trop du repas en lui-même, parce qu'elle a rien mangé. Regarde comment il tient sa fourchette. Eh, vas-y, Spencer, mange. Je t'en prie. Attends, il y avait écrit quoi? Parler de... Quoi? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Partir faire un tas de paternité. Mais lui aussi, il y va, du coup. Attends, je... What? Elle va venir manger après, tranquillement. Je suis mort. Mais... De quoi ils parlent, tous les deux? Parler de mode de vie écologique. Mais retourne travailler, en fait, mec. Ah, putain, quel repas. Oh, je te jure, c'est trop... Il peut prendre ça en photo, prendre une photo de nourriture expérimentale. En vrai, ça se tient. Ah bah, il n'y a plus rien. Voilà, super. Manger, apprendre à préparer de la nourriture expérimentale. Goûter aux merveilles de la nourriture expérimentale a permis à Spencer de comprendre les saveurs complexes impliquées. Il peut désormais cuisiner ce plat chez lui à l'aide de ses fourneaux personnels. Cette personne est le second parent biologique du dernier enfant de Brooke. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Partir faire un test de paternité. Mais lui aussi, il part, je comprends rien. Imagine Spencer est donc tellement, il finit par pêcher Onox pendant que Brooke est parti. C'est ça, c'est le doute est tellement intense qu'il a besoin... La revoilà. Oh, mais le cringe de ce repas. Genre, ils se sont croisés, elle a dit, voilà, maintenant, à toi. Je suis mort. Voilà. Mon chat, écoute, voilà, le repas sera pas perdu au moins. Oh, c'est tellement cringe ce qui se passe. Franchement, j'imaginais que du coup, il allait la demander en mariage, qu'elle allait dire oui, et que ça allait être cringe enough de rentrer à la coloc, mais en fait c'est encore pire que ce que je pensais. Parce que du coup là il a recalé, elle est sur le point d'accoucher. Hein. Et en plus il lui dit est-ce que je suis vraiment le père? Là, c'est... On est à un niveau, c'est sûr qu'elle va aller vivre avec Lupita, j'ai envie de te dire. Hein. Bon, Lupita deserve better hein, en vrai. Et autour de Brooke de Pechonox maintenant, je te jure. Bon, elle, en tout cas, ça le perturbe pas. Dîner romantique, réussi. On n'a pas la même définition du mot réussi, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà. C'est quoi ça? Goût intéressant.
Je sais qui est le père. Le père de l'enfant de Brooke a très mal réagi en voyant les résultats du test de paternité. C'est vrai, il a mal réagi, ce con. Attends. Quelle tragédie! Spencer espérait tellement que cet enfant ne soit pas de lui. La vérité est venue le rattraper à vitesse grand V. Oh. Non, c'est trop. Elle a pas bientôt compris le truc, je crois. Oh. Elle est partie faire quoi, là? Discuter avec Clément. Mais c'est qui, ce type? Oh. Elle est enjôleuse avec lui? Oh. Elle essaie de se trouver un autre boug pour élever son gosse. Tu parles d'un dîner réussi. Qui êtes-vous? Clément Klein. Vous croyez qu'il a du fric? Je suis mort. Brooke qui cherche un sugar daddy. Mais de ouf! Spencer, c'est une drama queen. Quelle tragédie! Désolée, mais autant il est con, autant Spencer me fait trop rire. La recherche, on est tous pareils. C'est son nouveau sugar daddy. Non, alors par contre, c'est trop drôle parce que j'avais pas imaginé ça, mais ça colle tellement à Brooke, non? Ça me fume de rire. Du coup, elle fait une présentation romantique, là. S'il est réceptif, c'est incroyable. Dag. Bon, on va continuer dans ce qu'elle a lancé, hein. Oh bah oui, vas-y, c'est bon. Chuchoter des mots doux, hein, voilà. On rappelle quand même qu'elle était en rancard ici pour demander à un autre mec de l'épouser, hein. Je suis mort, c'est trop grave ce qui se passe. Mais c'est totalement elle de faire ça, je te jure, hein. C'est trop drôle, c'est tellement drôle. Il a vraiment le style d'un sugar daddy. Attends, on va continuer, plonge dans le regard, allez, vas-y, prendre une pause sexy. Il a remarqué qu'elle était enceinte de troisième trimestre. Incroyable, c'est... Malheureusement, il y a des hommes qui ont ce genre de kink, hein. Bonne compatibilité, je suis mort. Est-ce qu'on peut voir ton compte en banque? Je suis mort, il sort d'où ce type? C'est pas un PNJ et je me rappelle pas l'avoir mis sur ma map, mais bon, a priori, oui. Je suis mort de rire. Ils ont même pas de... ils se connaissent pas, intérêt réciproque, oui, voilà, mais... Ils ont aucun verre parce que, bah, du coup, forcément, quoi. Intimité physique. Se tenter un rapprochement, mais... Elle va accoucher dans ses bras, hein, dans 5 minutes, hein, je vous le dis. Spencer est de retour. Oh non. Brooke, elle a toujours un plan B. Le B de Brooke Stanford, plan B, tu sais. Non, mais c'est trop drôle. Elle va lui dire un truc méchant à lui. Conflit. Putain, je suis mort. Attends. Tu t'en vas, Spence? Il va parler à Nox? Il va discuter avec Mila. Ah bah tiens. C'est cringe. C'est tellement cringe ce qui se passe. J'en peux plus d'eux. Ah, il est parti ton sugar daddy. Ah non, il est parti chercher un verre d'eau. Il a besoin de s'hydrater un peu parce que bon, il commence à se faire vieux et tout. Tu commences un peu à l'assoiffer. Ah, il prend sa salade. Il est venu avec Mila Munch, c'est ça? Je suis mort. Attends, elle retourne par la Spencer? Mais non, continue avec ton sugar daddy là, je te jure. Relation, famille, grossesse. Grossesse et parentalité. Partager la grande nouvelle. Je suis enceinte, il est de toi. Après cette conversation. Partager la grande nouvelle en mode, il voit pas comment tu marches, t'es. Je suis mort. Ça se demandait si elle fait pas ça pour le rendre jaloux. Peut-être, hein, en vrai. Ça swipe les dates de fou, hein. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'en sais rien. Oh, il est tendu, hein. Et là, il est pas très content. Ça commence à le saouler, cette histoire. Il me fout un miroir. Putain. C'est incroyable ce qui se passe, vraiment. C'est le pire restaurant. J'ai envie de les laisser, j'ai envie qu'on prenne le contrôle de Lupita, tu sais. Pendant ce temps-là, avec Lupita. Je suis mort. Plot twist, ils sont échangistes. Mais on va commencer à se le demander, quoi. Hein. Ah, alors elle est tranquillement en train de regarder la télé dans sa petite serviette. Je suis mort, c'est trop. Elle va se faire à manger. Voilà, tiens, bah, elle va finir l'assiette. Au sandwich fondu, là. Ah non, c'est trop, ça me fait trop rire. C'était un fever dream, ce repas. Je te jure, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop. Alors, comment elle peut... Alors, attendez. Écoutez la musique pendant 2 heures. Ok. J'aimerais bien qu'elle aille un club ou un truc comme ça aussi, elle. Merde, j'aurais peut-être dû essayer de manger. Bar à cocktail. C'est 2 bars à cocktail, en fait. Je crois que c'est celui-là qui est un peu plus sympathique. Ça, c'est trop drôle, la du rose avec les deux colocs. Lupita, si tu savais.
Et puis t'as ça dans la maison tranquille pendant énormément de péripéties là-bas. Ça me fume vraiment. Ok. Elle est venue en serviette, c'est peut-être pas nécessaire. Commode. Changer la tenue. Voilà, petite robe. On est là, on va essayer de rencontrer des gens. Tu connais, il n'y a absolument personne par contre. Ah mais on est déjà venu ici la dernière fois. Il n'y a personne. Il n'y a même pas un barman. Bon, en même temps, il est un peu 5h du matin. Mais les insomnies, ils connaissent pas. Ils sont tous en haut. C'est quoi? Il n'y a personne. Ah, vous êtes où? Arrête, c'est creepy là. Il y a toujours des gens au bar. Wesh, c'est trop bizarre. Donne tout, Lupita, c'est ton moment. Non, mais... Y'a personne. Y'a personne. Elle peut venir jouer du piano, hein. S'entraîner, hop. J'ai jamais vu un bar aussi vide. Ok. Eh ben, j'imagine qu'on rencontrera des gens à un autre moment. Mais c'est une... Je suis étonnée de ne pas voir ma cimette à 5h du mat au bar. Ça lui ressemblerait pourtant. Ça aurait été trop bien. Watch me dance. Ah! Le barman arrive. On va pouvoir noyer notre... C'est pas du tout le barman. Pourquoi t'es en colère comme ça, bébou? Ça va aller, hein. Et toi, t'es pas riche, hein, de mémoire. Bjorn, là, il nous a donné combien? 14 simflouz. Écoute, on va les prendre, voilà. On est en été, bon. On va rencontrer des gens, il y a absolument son père. Mais des fois, il y a des célébrités et tout. Ah. Ok. Bah, barrez-vous. Barrez-vous, qu'on de mime. Mais non, mais... C'est un échec. Et si on essaye un autre bar? Pourquoi il y a personne? Enfin, c'est rare quand même de voir un bar aussi vide. Est-ce que vous pensez que genre c'est parce qu'il est 6h du matin? Faudrait peut-être qu'on aille dans une boîte de nuit en fait. Tellement dramatique, jouer une sonate en piano dans un bar vide tellement. Et là? On n'était jamais venu ici. Danser un mariage de groupe? Il n'y a personne pour danser avec toi, danser un slow avec... Cringe. Oh, Mako, elle est mimi, lui, hein. Mais bon, on n'est pas là pour trouver un type. On est là pour faire du fric. Hein. Mais bon, il n'y a personne, donc... voilà. Jouer un concerto. Oh, purée, carrément. Tout ça pour gagner 14 simflouz. Ah, peut pas rentrer. Ah, c'est pour les célébrités de genre 3 niveaux, là. Ah oui, 3 étoiles. 3 niveaux, 3 étoiles, ok. Oh, y a Bjorn. Non, c'est pas Bjorn, c'est Thorn, pardon. Excusez-moi. Demander une accolade, demander un selfie. On va essayer de lui papoter, quoi. Lui parler un peu. En plus, elle est en bombe. Il y a un paparazzi aussi. On va parler au paparazzi. Tu veux pas une photo de nous, paparazzi, hein? Plus de choix. Attends, il a accepté? Ah, nickel. Qu'est-ce qu'on fait, là? Une photo. Ok. Plus de choix. Amical. Tentez de se présenter. On essaye, hein? Dégage-toi! Non, Lupita! Craque pas un coup. Voilà, ça va, il a accepté, je crois. Et on est un peu famous, nous aussi. Demander un autographe. On va essayer de le revendre après, je suis mort. Laissez entendre que l'on est attiré. Complimenter l'apparence. Le fantôme de l'opéra qui la regarde en haut. Je te jure. Ouais, Makoa, il est marié. Ouais. Après, lui, c'est pas mal. Il a un peu de fric. Il m'énerve, le paparazzi, là. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis, hein? Demander une photo. Demander une accolade. Voilà, je sais pas si on l'a dans nos contacts. Pas du tout. Ah si, on l'a. Oh, incroyable. Plus de choix. On peut faire du papotage. Ah, mais c'est ça le papotage. J'ai un peu mieux. Elle est partie courir où, en fait? En fait. Ah, si, si, qu'il y a les étoiles, c'est vrai. Ça serait trop bien qu'on ait une étoile un jour. Prendre une dalle de célébrité. On peut la voler, tu sais. Je vois bien, par contre, Brooke dégrader une dalle... Genre la dalle de Spencer à un moment donné, tu sais. Oh, il y a Dirk Dreamer ici. Célèbre pour avoir créé un nouveau genre de jeu vidéo qui fait fureur dans le secteur. Hmm.
Allez, on espère que Lupi va réussir à être pote avec ce mec-là, au moins. Demander un autographe, mais bon, ça n'a pas l'air d'être... Par contre, tu parles avec des ados, on s'en fout, là, de Savannah. Sauf votre respect, bien... Putain, je comprenais pas ce qui se passait. Je croyais qu'on voyait... Ouais, je comprenais pas ce qui se passait par terre, mais ok, quelqu'un était évanoui. J'ai trop bugué. Ouais, l'hôpital est incroyable. Regardez-la bien. Beauté fatale. Attends. Beauté fatale. Elle est trop mignonne. J'aime trop. Bon, faudrait pas que l'autre elle accouche quand on n'est pas avec elle, hein, par contre. Oh, purée de patates. Commencez à réfléchir à des prénoms, d'ailleurs, pour une petite fille. Que Brooke va probablement élever toute seule, hein. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles à des lambdas, là? C'est quoi ce style? Pourquoi tu veux pas essayer d'être... En vrai, c'est insupportable. Pourquoi il y a autant de monde autour de lui, là? Trop chiant. On va l'appeler, genre, hey, tu veux pas venir avec nous? Il vient en plus, c'est trop, c'est ouf. Attends, il est où? Il arrive. Je suis mort. On va complimenter l'apparence. Demander une accolade. Voilà, on essaie d'être ami avec lui. Ça n'a aucun sens qu'il est venu quand on l'a appelé, par contre. Cache-toi, toi! Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Demande un autographe, voilà. Il a chaud, petit bébou. Par contre, c'est chiant, les petites étoiles autour, là, merci. Il fait si chaud que ça? Complimenter l'apparence. Ah, ok. Est-ce que l'amitié augmente un peu, là? Oh, c'est dur d'être ami avec les célébrités, quand même, hein. Ouais, mais Megumi, elle est pas célèbre, si? Elle est où? Elle est partie. Oh! Il y a Octavia Moon, juste ici. Enfin, Octavia Bellet. C'est peut-être pas le moment d'essayer de faire ami-ami avec, avec son type, hein. Après, on peut peut-être parler à elle aussi. Ah, mais on est déjà copine avec elle, mais comment? Comment c'est possible? Enfin, copine, je m'entends, hein. Mais on la connaît déjà? Mais oui! Attends, compatibilité exceptionnelle! Incroyable! Merci pour le save. Merci beaucoup. C'est dingue, pardon. Mais d'où on est copine avec elle? Oh putain, il y a des droits d'auteur là. Il est devenu boulanger, 247 Simflouz. Incroyable! Et pareil pour Brooke. Faudra qu'on leur mette les sous dans leur truc. Demander un autographe, je sais. On en a des autographes, là? On en a zéro. Elle lui fait un petit autographe. Oh purée, on va se le revendre, celui-ci. Pour une belle bouchée de pain. Mais c'est trop cool qu'on arrive à être copine avec elle. Amicale. Affection. Papotage. C'est pas terrible en vrai. On est encore pas assez au level d'amitié, je pense. Oh, mais on en a deux! Oh, mais c'est trop bien, on va pouvoir en garder un et faire évaluer l'autre. Et comme ça, on va pouvoir le vendre à un collectionneur. Incroyable. C'est qui ce type? Oh, C'est le type de. Ouais, c'est Clément Klein! Pourquoi tu as rendu ma journée bien plus belle? Merci de m'avoir fait sourire, mais. Le monde est petit quand même! Oui, Octavia, ouais. Le monde est vraiment petit. Elle pourrait être copine avec Brittany Cho aussi. Comment ça... C'est qui ce type en vrai? En vrai, t'es qui toi? Pourquoi on est devenu amis direct avec toi comme ça? Elle est ouf cette partie, je comprends plus rien moi. C'est du trafic d'autographes. Mais je te jure, elle veut trop ses 10K là, elle veut partir de la coloc, donc voilà. Par contre, elle a l'air vraiment mal à l'aise, elle est pas en train d'accoucher quand même. Ok, elle va bientôt accoucher, j'ai peur. Voilà. Je sais plus si on a le résultat directement pour... Attends. Oui, a été évalué à 100 simflouz. Eh ben, on vend, hein. Et on garde l'autre. Oui, Dag. Je sais pas d'où il sort, ce type, vraiment. T'es qui, Soso qui... Attends, Soso, elle se penchait comme ça. Je sais plus comment elle avait fait, là. Un truc comme ça. C'était nimpe. Vraiment, c'était nimpe. Ok, donc déjà, on s'est fait 100 simflouz par là aussi pour elle.
Par contre... Ah oui, il y a un sentiment envers lui, non mais carrément. Mais Brooke, elle va encore être trop jalouse. Mais comment ça, tu connais déjà mon baby, mon sugar daddy, là? Elle va être trop saoulée. Attends, c'est Thorne. Ou Octavia, même, en vrai, envoyer un SMS de bonheur. On a son numéro! Incroyable. Ce serait trop bien qu'on devienne amie avec Octavia. Ou plus. Désolée, Thorne. Je viens de me retaper un fou rire. Le clip dans le chat, il me fume, sérieux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voir. Ok. Ok, ok. C'est qui ça? Judith Ward. Là, il y a personne. Pose une dalle. Il y a pas beaucoup de dalles en vrai. Il y en a que. Deux, trois. C'est qui ça? Dirk. Et là? Octavia. Ah oui, Octavia, il y en a une. Oh, Mimi. Et là, il y en a une aussi. Pardon, hein, je redécouvre le jeu a priori. Brittany Cho. Ok. Ok, cute. Ok, on va rentrer à la maison. Parce que j'ai peur qu'elle accouche. Brooke. Du coup, j'ai envie d'être avec elle. Elle a combien de niveau Simflouz? Je crois qu'il faut qu'on fasse les comptes, là, justement. On va aller faire ça. Parce que là, du coup, elle a 100 balles de son... Et vous avez oublié de payer votre addition. Enfin, putain, le machin tellement chaotique aussi. Donc déjà, on a 100 Simflouz de l'autographe. Et on a aussi... là... Alors, let me see. I need my calculette. Vous savez, porter 15 dalles. Oh putain, qu'est-ce que j'ai tapé sur mon tel, moi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Ok. Alors, 11 plus 44 plus 37 plus 50 plus 59 plus 87 plus 57 plus 99 plus 247. On a 691. Et ça commence à monter quand même, hein. À bien monter. Il faudrait vraiment un énorme truc. Je sais pas trop ce qui peut enclencher ça. Un énorme contrat de musique ou j'en sais rien. Et là, on est à 2000. C'est tout! Mais non, je croyais qu'on était à genre 6000. Vous savez porter 200 dalles. L'utile, on se marre. Ah putain, je suis dégoûtée. Je croyais qu'on avait beaucoup plus de sous que ça. Mais pas du tout. Elle fait dodo sur son lit, Béboune. Il t'en est arrivé des histoires, hein. Oh la vache, avec le petit là. Clément Klein. Vraiment, je sais pas d'où il sort lui, mais alors, c'est quelque chose. Et ça se vend pas, non. Non. Le travail a commencé! Oh putain. Et elle va enlever la nourriture gâchée du frigo. Bah voilà, moi c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai perdu les os. Logique. Le travail a commencé. Commencez à réfléchir à un prénom, hein. Attends, j'ai pas fait le truc. Il panique lui, qu'est-ce qu'il a? Très tendu. Oh, va te faire toi. Attends. Est-ce que... Non, c'est pas dans le divertissement. C'est dans quoi que j'appelle la sage-femme? Appeler l'agence d'animaux du ranch. Je sais plus où c'est la sage-femme. J'ai oublié. C'est là peut-être. Putain, c'est où la sage-femme? La sage-femme. Alors j'ai oublié. Attends, pause. Parce que. Elle est partie accoucher en fait? Non, elle est partie dormir par terre. Ouf. Tout va bien. Tout va bien. Je veux qu'elle aille à l'hôpital et tout, mais j'ai pas fait le truc de la sage-femme. J'ai oublié où c'était. Je m'en sors pas aujourd'hui. Foyer appelé la gynéco. Ouais, je croyais que c'était ça. C'est le mode grossesse, ça, non? Appeler les pompiers. Appeler l'agence d'adoption, appeler un service. Putain, mais je croyais que c'était là-dedans. C'est un autre mode? C'est plus sa position, elle a plus qu'à pousser. Ah putain, je suis deg. Bon, bah du coup, elle a accouché comme ça. Putain, je croyais que c'était dans ce mode-là. J'ai fait de la D. Ah oui, c'est le mode accouchement en fait. C'est dans le mode accouchement, pas le mode grossesse.
Oui, voilà, Goldie. Ok, merci. Ça, c'est moi, je suis bête. J'ai pas téléchargé tous les modes, en fait. Ah, je suis bête. Oh, deg. Je suis dégoûtée. Je croyais vraiment qu'on allait assister à son accouchement, mais non. Bah, elle va avoir un bébé à l'hôpital, quand même, malgré tout. On va la rejoindre. Qui c'est qu'on emmène? Non, c'est que je l'ai pas en fait, le mode accouchement. Je suis trop bête. J'ai que le mode grossesse. On emmène qui? Est-ce qu'on emmène le géniteur? Est-ce qu'on emmène Lupita? Est-ce qu'on emmène le Shug Daddy? On emmène tout le monde. Je crois qu'on peut pas. Je crois qu'on peut emmener qu'une personne. Katharina Caliente. Ah, oh mon dieu. Moi, j'en amène Héloïse parce que c'est elle, après tout, qui nous a permis de remporter 8000 Simflouz. Spencer, vous pensez Spencer? Le choc a dit. Ah, je sais pas. Tu peux faire un questionnaire, enfin un questionnaire, un poll, s'il te plaît, Coco. J'avoue que t'as un souci avec Léa. Qui c'est qu'on emmène? Lupita, Spencer ou Clément? Vous préférez qui? Sur qui on emmène avec nous à l'hôpital? Un sondage, oui. Oui, un poll, quoi. Un poll. Il y a beaucoup de Léa dans le chat, en vrai. Qui va voir notre bébou naître, trop mignon. Mais on peut pas tous les emmener en fait, je crois pas Coco, hein. Je crois pas qu'on peut aller à 4 comme ça à l'accouchement. Hein. Moi je vote. Paf. À voter. Pourquoi il n'y a pas Héloïse dans le sondage? Mais toi, t'allais voter Héloïse juste parce qu'elle s'appelle Héloïse, non? Je veux voir le bébounette. Voilà, j'en étais sûre. Ah oui, on en prend un. On invite les autres à nous rejoindre via le téléphone. C'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Bon, là, vous avez l'air d'être plus ou moins tous d'accord pour emmener Lupita, quoi. Mais qui est Clément? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué la vie de Brooke. Hein. Pour la petite info, Valkyrie, elle est allée au restaurant pour un dîner romantique avec Spencer, où elle l'a demandé en mariage, il a refusé, et juste après, elle s'est mise à draguer un type de nulle part, qui s'appelle Clément, voilà. Ouais, des prénoms de bébés, merde, des prénoms de bébés de stars. Vraiment des prénoms, m'as-tu vu? Allez, va ma belle. Va avec Lupita. Après, on sait pas combien il a sur le compte, mais voilà. Ça me fume que Spencer soit pas invité. En même temps, pourquoi? Après tout, il a dit qu'il voulait pas d'enfant et tout, donc il était pas content d'être le père, c'était horrible et tout, donc pourquoi elle l'aurait pris avec, tu vois? Vas-y, va. On se présente au bureau d'accueil. Je la vois trop avec un prénom genre, je sais pas, étoile, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas faire, Lupita? Merde, pardon. Cuisiner ensemble, peut-être pas. Où est-ce qu'elle va? Mais où est-ce qu'elle va? Elle se rend déjà dans la pièce qu'il faut? Peut-être. Des noms qui ressemblent à rien, genre richesse, j'avoue. Apple, Lourdes, Paris, Georgina, Saphir. J'avoue, vous êtes trop fort. J'avoue, attends. Satine, Chanel. Ça, c'est le nom du chien du voisin, ça me trigger. J'aime bien Apple, ça me fait trop rire, Apple, j'avoue. Des noms qui ressemblent à rien, genre richesse, ça me fume ça aussi. Apple, richesse, c'est trop mignon. Enfin, c'est trop mignon, c'est trop drôle plutôt. Attends, elle est pas là, Lupita?
Mais c'est... Elle fait de l'ordi, autant pour moi. Elle est occupée à soutenir sa pote, ça fait plaisir. Voilà. Enfin, sa pote. Un peu compliqué la relation, mais voilà. Elle la soutient bien, en tout cas. Ça fait plaisir. Prada. Si tu prends Apple, tu peux faire un prénom composé genre Apple Ruby. Oui, j'avoue. Mais j'aime bien Apple Richesse. Apple Fame. Pen Apple, Apple Pen. Gucci. Non, mais ça, c'est juste des, ouais, des marques. J'aimais bien les marques. Eva Apple Ruby. Putain, mais qu'est-ce qui se... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Space-fond. Space-fond. Moi, j'aime bien Apple. On va prendre 10 piges à choisir le prénom, ça me fume. Apple Pay. Ok, donc c'est bien une petite fille. Et le nom de famille, c'est Rhodes. En vrai, Rhodes, ça fait super... Apple Jewelry. On l'appelle AG. Ça peut marcher, hein. Apple, mais avec un autre prénom. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je cherche un prénom composé. Apple Jewelry. Je trouve que ça rend bien, moi. En plus, c'est trop dur à dire. Jewelry. Jewelry. Attends, regardez. Apple Jewelry Rhodes. Apple Autumn. Ah, oh, ouais, ça marche aussi, ça fait vraiment star. J'avoue. Ou héros de fanfic, j'avoue. J'avoue. Toujours piocher dans des saisons ou les mois de l'année. C'est vrai, hein. Apple, Apple October. Apple October Road. Ça me fume. C'est trop le style de Brooke, ouais. AG pour les intimes, c'est clair. C'est clair que j'aimais bien Jewelry quand même. Vous aimez bien ? Apple App Store. Vous préférez quoi ? Apple October ou Apple Jewelry ? AG, je trouve que ouais, si ces initiales font AG, ça marche bien, ouais. Ouais, donc on part sur Apple Jewelry. Ça passe assez bien son nom. Allez, let's go. Mais dis pas qu'il y en a un deuxième, par contre, je pète un crâne. Il est où ? Elle est là ! Oh, Pépou ! Elle est trop mignonne ! Oh non ! Ben voilà, on l'avait pas vu cet arc venir. Enfin, si on l'avait vu, on s'en doutait que Brooke serait enceinte en vrai, mais. Trop mignon! Trop mignon! Mon bébé! Bon bah voilà, elle est trop cute. Elle est vraiment trop mignonne, hein! Elle a des petits cheveux, la tête à papa. La tête de papa, je te jure. Elle rentre à la maison, elle. Elle va contempler. Ouais, elle va contempler. Ok, on rentre à la maison. AG, la queen! Oh, trop contente en fait d'avoir ce petit bébou. Par contre, voilà. Par contre, ici, dans cet appartement, dans cette petite maisonnée, ça va être compliqué. Il est où ? Dans la chambre de papa ! Voilà ! Pourquoi il ressemble pas au même bébé qu'on avait à l'hôpital ? Et ils ont fait un échange ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'hôpital ne servit à rien. Pardon ? Elle était sur l'ordinateur, donc déjà, tu mens. Donc voilà, elle était là pour le soutien de l'ordinateur. Les deux parents sont BG. J'avoue, hâte de voir à quoi elle va ressembler quand elle va grandir. Embrasser Apple Jewelry sur le front, ça me fait tellement rire son nom. La portée 8 mois de sa carrière ressemble à son daron. Moi j'ai de la chance, mon fils il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Il me ressemble totalement mon fils. Donc trop mignon. Il est trop mignon de toute façon mon fils. Il est trop beau. Bref. Du coup ouais. Attends, qu'est-ce qu'elle a ? Se sent prise au piège. Une sim réticente à s'engager a du mal à garder longtemps le même emploi. Il est peut-être temps d'en changer. Mais tu rigoles ou quoi ? Angoisse de séparation, accroît son téléphone. Et nouveau bébé, elle est contente. Ok. En vrai, Apple Jewelry, elle va avoir un style de fringue. Elle va être tellement fashion, la petite. Il va falloir qu'on fasse du shopping pour elle. Ça va être trop mignon. En vrai, je te l'ai pas dit, mais je trouve qu'il ressemble à Rob, me tue pas. Non, mais je te jure, Coco, je peux te montrer une photo de moi petite. C'est juste, c'est moi, en fait. C'est mon portrait craché. Après, c'est normal qu'il ressemble un peu à son papa sous différents angles, mais en vrai, c'est moi tout craché. Tu mets deux photos à côté, tu sais pas qui est qui.
Une pote de ma sœur s'appelle Perle Douceur, no joke. Attends, tu veux te faire ban? Elle peut pas se faire ban, Coco, c'est elle qui te banne, toi. C'est tout. Perle Douceur, j'avoue que c'est quand même assez particulier. Attends. Bah voilà, quoi. Voilà, voilà, on a un bébou. Attends, est-ce que Spencer, il peut avoir un sentiment quand même envers son embrassé? Relation famille grossesse, doit-ce nous raison ou plus pour... Ok, d'accord. Statut parental, accepter de reconnaître Jewelry, AG, accepter de reconnaître AG ou refuser d'être le père d'AG. Oh ! Sondage, vous voulez quoi ? Drama là, drama, drama, drama. Je suis prof et j'ai lu des dingueries comme prénom. Après, chacun son truc. Oui, c'est clair. C'est clair. Moi, je sais que le prénom que j'ai donné à mon fils, il plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est vrai que chacun a ses goûts et tout, quoi. Mais moi, mon prénom, hein, il a été super... Il a toujours été super, comment on dit, controversé, quoi. Mais bon, on aime ou on n'aime pas, on s'en fout, quoi. Mais bon, c'est la vie. Alors, du coup, vous les refusez ? Petit sondage, ouais, si Léa veut bien, si Coco veut bien. Et on voit s'il refuse d'être daron ou pas. Merci Caneline d'être passée. Gros bisous, à bientôt, merci beaucoup. Oh, vous êtes tous d'accord pour refuser en fait. Merci, vous êtes trop mignon. C'est pas moi qui l'ai choisi, mon prénom, mais merci. Spencer accepte d'être le père d'AG. Of course, allez, pipou, jamais vous pouvoir pécho. En vrai, il y a des darons, enfin, il y a des, même pas des darons, en fait, il y a des femmes qui kiffent les darons. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, un père célibataire, ça pourrait l'aider à pécho, en vrai. Ah ouais, Curly, c'est chaud comme prénom. C'est chaud de ouf. Bravo aux parents de Capin, de super prénom. Merci beaucoup, je leur dirai. Le best reste un prénom composé Bernadette Chirac plus nom de famille. Non. No way. Oui, si la maman est très présente, c'est clair que c'est plus dur pour choper. Hein. Jamais faut pouvoir pécho. Ok, donc vous voulez refuser d'être le père. Non, c'est terrible. Attends, je me demande trop, ça va être quoi l'animation? Genre, il va venir devant la petite et il va lui faire le signe non. Attends. Je rêve où il vient juste de outer le bébé là. Il est malade ce type. Ça me fait trop de peine. En plus la petite elle pleure. Regardez, elle rentre en blouse. Et Spencer c'est juste un gros con comme d'hab. Ça me fait trop de peine. Et voilà, AG va avoir des daily issues. Merci le chat, bravo. C'est exactement ça. Non, on va embrasser AG sur le front. Merde, attends, je me suis trompée. Pas toi. Toi, casse-toi. Ouais, voilà, c'est elle. Serrée dans ses bras. Tenir le bébé dans les bras. Oh. À la fin, non? On va soigner du bébé. Choisir un moyen, on s'en fout. L'allaitement, je pense qu'elle voudrait allaiter. Et on va le nourrir, quoi. Nourrir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je la vois trop avoir une... Quand elle sera super riche et super célèbre, avoir une nounou. J'ai eu aussi pas mal de stars, Rihanna, Shakira, entre autres. Ah ouais? Putain. Cette scène était trop trigger. Ouais. Genre, il refuse et une fois adulte, Edgy cherche à le retrouver. Oh, bébou. Edgy qui va aimer les mecs plus vieux et les sugar daddy comme maman, j'avoue. Merci beaucoup, LPA. Et Nixou, la menace. Merci beaucoup. Ok, elle est partie faire la vaisselle parce que ce gros con dort sur le canapé. Triggering. Par contre, j'ai pas envie de laisser la petite dans la chambre de Spencer. Ça commence à être chaud là. Mais là, ouais, je pense qu'on peut y accéder. Oh, bon, il est temps de déménager. Hein. Prochain épisode, clairement, on déménage. Clairement, on déménage. Mais elle est trop mignonne, mais elle a beaucoup moins de cheveux que...
que tout à l'heure, en fait. C'est quand même assez fou, ça. Attendez, je vais allumer la lumière. Parce que vous savez déjà, je n'y vois rien. Ça me casse les pieds. Tous les éclairages, voilà. Oh, mais elle était beaucoup plus mignonne à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, elle est toujours très mignonne, mais genre... hein, elle ressemblait pas à ça tout à l'heure. Ma fille est née, baby reveal plus story time. De ouf, c'est vrai qu'il faut qu'elle fasse une vidéo. Incroyable. Non, mais là, faut qu'on trouve un arc de la loose pour Spencer. Genre, il lui arrive que des merdouilles. Je pense, hein, parce que là, c'est mérité. Mais vous vous rappelez, de toute façon, dans les règles... bon, après, de toute façon, les règles, c'est fait pour être brisé, hein, n'est-ce pas? Dans les règles, j'avais mis, genre, qu'à un moment donné, il y avait un truc possible comme quoi... Voilà, dégringolade ou rédemption. Mais il y avait déjà tout un truc, faudrait qu'on les relise bien comme il faut. Mais en gros, il y avait des dramas et on pouvait choisir un scandale dans la liste. Ou alors, on faisait juste... on lance des dés, quoi. Et en fait, il lui arrive des drames et je pense que ça va être clairement Spencer. Et du coup, il y a plusieurs fins possibles. Donc la fin, Vosim se renonce à ses rêves de gloire et part en détox de célébrité. Il essaie de se reprendre en main et il y arrive ou pas, tu vois. Mais en gros, je pense que ça va être la fin pour Spencer, quoi. Il va lui arriver que des merdes jusqu'à la dégringolade, quoi. Parce qu'il mérite, ok? Il mérite. Si vous voulez le lien de ce petit Google Doc, hein, n'hésitez pas, point d'exclamation, spotlight dans le chat. Ne la mets pas devant le miroir, elle va être aussi concentrée à sa mère, j'avoue. Mais elle est trop chou, j'ai trop hâte qu'elle soit bambine, qu'on lui fasse un petit relooking. Enfin, un petit relooking. C'est surtout qu'on lui mette des petits vêtements trop mignons et tout, ça va être trop bien. Spoiler, il n'y arrivera pas. Tu penses finir le live vers quelle heure? Je cherche à voir si je peux gruger et faire attendre mes potes pour rester jusqu'à la fin. Mais je pense qu'en vrai, je vais pas tarder parce que là, au final, le prochain truc, c'est vraiment de déménager et tout. Et ça va prendre un petit peu trop de temps vu que, bah, comme vous le saviez, mon fils, il est chez ma maman. Et je vais aller le chercher bientôt, quoi. Donc, faut que j'y sois vers 16h. Bon, elle habite pas très loin, mais quand même. Donc, je pense que je vais pas tarder. Oui, après avoir fait pleurer Eiji, la goth, il mérite de souffrir, je te jure. Mais Eiji, nouvelle mascotte aussi de la chaîne. Mais je pense qu'elle va être trop mignon. Trop mignonne. Vous voulez pas qu'on la regarde vite fait dans le CUS en mode bambine? Ou on attend? Terminer sur l'accouchement, c'est perf. Je pense que c'est le meilleur moment d'arrêter, quoi. Sinon, là, on recommence un nouvel arc et du coup, c'est plus compliqué. Enfin, plus compliqué. C'est jamais compliqué d'arrêter, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. La prochaine fois, on voudra, du coup, meubler sa maison, etc. Donc, voilà. Prochain sub-goal, Capons par Eiji. Non, mais la pauvre. Idée, on rend Spencer 5 étoiles de célébrité, puis Eiji débarque et le scandale le fait dégringoler dans la presse à scandale. Ouais! Parce que là, en gros, pour l'instant, Brooke, elle va pas dire que c'est lui le père et tout. Du coup, bah, pas de mauvaise réputation, mais quand il est bien célèbre, en fait, enfant caché. Ouais. On se laisse le suspense pour Eiji. Ok, vas-y, je veux la voir. On garde le suspense. Ah! Non, vous avez raison, on garde le suspense. Mais oui, l'idée est banger, ouais. On va faire ça, je pense. On va tout faire pour qu'il soit en haut de l'affiche et on va le faire dégringoler. Ça va être trop drôle. Du coup, ouais, prochain épisode, totalement une nouvelle dynamique. On dira adieu à cette petite coloc. J'aime bien la petite maison, elle va me manquer un peu quand même. Ouais, tu es trop chou. Peut-être que Lupita peut y rester. Je pense que Lupita va y rester. Ou alors, il n'y a que Brooke qui déménage. Ah, je sais pas, je vais réfléchir. Capon, c'est pas Eiji, mais c'est Rob qui fait les yeux. Plus jamais je fais les yeux. Spencer, l'acteur moyen. C'est vrai qu'il veut être seulement moyen, j'avais oublié ça. Eh ben non, tu vas être en haut de l'affiche, mais t'inquiète pas pour longtemps. Pas pour longtemps du tout. Attendez, je vais sauvegarder parce qu'il faudrait quand même pas qu'on perde notre petite AG. Apple Cherry. Ça me fume tellement. C'est vrai, il joue que des second rôles nuls. Mais pour l'instant, il est même pas... Attends, il travaille bientôt là. Hein, c'est demain. Il a son contrat chez les Herbs là. Ça va être incroyable ça aussi. Mais ouais. Non mais clairement, il va lui arriver que des merdes à lui. Et il aura clairement pas Lupita parce qu'elle aussi, elle mérite beaucoup mieux. Vraiment. beaucoup mieux. Prochain thème de CC, shopping spécial bibou, spécial Apple Jewelry. Je vais mettre ça en titre, les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Je te jure. Ah là là là. Bon. Allez, attendez, je passe en full screen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit stream avec nos célébrités. J'espère que ça vous a plu. C'était pas très long, mais là, comme ouais, c'est le meilleur moment pour arrêter, je trouve. La maison, elle est incroyable, dommage de déménager. Peut-être qu'on va garder un sim ici, potentiellement Lupita. Et que du coup, on swatchera aussi entre les foyers. Et ça, je pense que ça va aussi donner une nouvelle dynamique au gameplay. Comme ça, on n'est pas toujours au même endroit. Pour la prochaine shopping CC, je pense qu'on fera un sondage sur le Discord. Ouais, c'est ça, Coco, t'as raison. Mais là, de toute façon, le prochain shopping, en vrai, il est le mois prochain, vu qu'on a dit qu'on faisait un live shopping par mois, pour pas trop se lasser non plus. Donc là, on a déjà fait un cette semaine. Oh,
Oh, la semaine, elle a été ouf. En vrai, on s'est vus tous les jours. Incroyable. Mais du coup, ouais, voilà, c'est pour. Ça sera le mois prochain maintenant. Donc ouais. Tristesse, j'ai pas Discord. Oh, trop dommage, patate. Trop dommage. Après, on en parlera en live avant. Ne t'inquiète pas, tu pourras donner ton avis. Hein, pas de souci. Ce sera mi-septembre. Voilà, c'est ça. On a stream. Les CC le 22, je crois. Ou 23, un truc comme ça. Donc, ce sera à peu près ouais, vers le 20 septembre, quoi, maintenant. C'est ça. Ah, merci, Mila, c'est trop gentil. Merci à vous d'avoir été là, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous ait plu. Putain, le repas au restaurant, c'était quelque chose. Hein. Le dernier live avant longtemps pour moi. Mais oui, du coup, profite bien de ton voyage, Lutile. Vraiment, pense à nous. Pense à nous, pense à nous. Si tu vois des chats saucissons, des trucs comme ça. Non, mais merci beaucoup pour ton assiduité sur les lives et tout. Et profite bien de ton voyage. Première que je regarde... Premier live de l'arc, je regarde tous les streams. Oh, trop mignon! Trop mignon, Evertime. On s'en souviendra de ce repas, il était catastrophique. D'ailleurs, ce serait rigolo aussi de voir si Brooke en fait, va vers ce Sugar Daddy ou pas. Demain, il y a un nouveau live. Oui, 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 Léa, à midi et demi aussi, tout pareil qu'aujourd'hui. Et ce sera le Rags to Riches. Vous savez qu'on a commencé la semaine dernière avec Harry. Voir s'il continue un peu à se faire du fric, celui-là. Merci Lauropi, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et une bonne nuit à toi aussi, Léa. Coco. Merci beaucoup d'avoir été là, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, bah, on se retrouve demain pour essayer de devenir riche encore. C'est vraiment l'obsession du moment ou quoi hein. Merci à tous, passez une bonne fin de journée. À demain. Gros bisous. Ah oui, attendez, je dois faire un petit raid. M'a demandé Kimi, notre chère Kimi. Elle nous a demandé de raid Caro Sims Universe. Donc on va y aller là-bas, restez bien pour le raid. Ça va lui faire très plaisir. En plus, Caro, elle est vraiment trop mignonne. Donc elle mérite. On y va, on bombarde le chat. Je crois qu'elle est en ce bâton, nous a dit Kimi. Donc let's go. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Prenez soin de vous, gros bisous. À demain, merci pour tout. Ciao. My goodness! Merci pour le raid, Capote! Merci beaucoup! Je vais rajouter 15 minutes! Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup Capance pour le raid, c'est adorable. Du coup, n'hésitez pas évidemment à suivre Capance, pour ceux qui ne la connaissent pas. Incroyable youtubeuse et maintenant streameuse. Merci beaucoup, c'est trop adorable. Bonjour mon enfance, Camaro. Ah mais mes Camaro laissent tomber quoi. Et coucou tout le monde. Coucou Capance, coucou. Attendez, j'arrive plus à savoir qui était sur le raid. Coucou Boudidou, enfin bon, patate, coucou Mila. Coucou tout le monde. Attendez, est-ce que Capance t'as des... Est-ce que par hasard tu aurais des clips? Est-ce que Capance a des clips sur sa chaîne Twitch? Apparemment oui. On dirait du salami, tu sais, du pepperoni au niveau des yeux. Incroyable ce clip, il est incroyable ce clip. J'ai pas fait une dédicace en tant que Oda Takenori, je fais ça d'un clic. Merci beaucoup pour le raid, vous avez apporté, puisque je suis en sabbaton aujourd'hui. Ouais, j'ai vu, j'ai vu de ouf. Mais non, pas la honte, c'est trop bien. Non mais si vous savez, moi les clips que j'ai, de toute façon je vais mettre la bonne annonce, je pense, pour me présenter, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Caro Sims Univers, je suis en train de faire un sabbaton. Du coup, bah, chaque sub, follow, raid, tout ça, ça rajoute du temps. Vous avez rajouté via le raid 15 minutes. Merci beaucoup, Tourkiné, pour ton sub. Offert à Capance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub. De fou, on dirait des gratte-saucissons. Du coup, bah, chaque sub rajoute...
des trucs au sabaton, donc là on est au niveau 16, on a dépassé le live du Detroit Become Human bientôt. J'ai fait des dessins à chaque sub, etc. Comme là, pour regarder, je vais vous montrer. Et j'ai fait des dessins façon Animal Crossing. Tout ça, quoi. Voilà, voilà. Donc là, on a fini un challenge matin de Sims qu'on a fait pendant une heure et demie. Je vais manger après, parce que je dois pas manger. Il est bientôt 16h, je dois pas manger. En tout cas, merci beaucoup pour ton raid, c'est adorable. Alors, je pense que la meilleure façon de me présenter, pour ceux qui me connaissent pas, c'est de monter ma bande-annonce. Fais quasiment uniquement de clips. Donc tu vas voir que quand tu dis la honte, qu'à force, tu verras que mes clips ne sont pas mieux. Posez-vous, ça dure près de 2 minutes, même pas. Et à tout de suite. Merci encore pour ton raid, c'est trop adorable. Mars, attendez, il y a un problème là. Mais quoi? Mais c'est qui ça? Le mec, il est habillé en Dark Vador. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir. J'étais. Mais c'est quoi ça? Après les roues! Vous voyez, quand je vous dis, je rigole pour rien! Si c'est morte, elle s'est fait électrocuter deux fois en un instant. Et même pas eu de lave de ton, il y a eu deux fois bam bam quoi. Putain, j'ai la haine. Tout reprogrammé. Code Lyoko 1, monte sans danger. Mais ça s'est pas vite, putain, quoi, toi? Mais putain, Alexa. Genre, j'ai senti mon vibro. Je voulais dire mon bureau vibré. Oh my god! Oh putain, mais heureusement, j'ai pas mangé, mais. Oh. Ah. Chute, Sarah, chute. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, les Sims, je te jure, c'est pas possible. C'est pas le pire, attendez. Attends, parce que moi, quand on met des vitres dans la gueule, c'est très bizarre des campements. C'est que j'ai dit. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Ok. Voyez que je vous dis, je rigole pour rien. Voilà. Non mais moi pareil, genre déjà les bros ça me tue. Puis après les trucs et tout, voilà voilà. Désolée, ça banne l'inconnu parce que t'étais en moche. Désolée. Merci Amnesia pour le follow. Et du coup y a pas de souci. Attendez, c'est Mila. Alors oui, donc du coup on parle pas de streams etc. C'est pas grave, pas de problème. Excusez, y a pas de soucis. Merci beaucoup pour encore ce raid. Donc voilà. Les clips un peu qui mettent mal à l'aise. Vous connaissez. Merci Mila pour le follow. Merci beaucoup. Hein. Et merci beaucoup pour. Attends, c'était qui a dit qu'il allait partir là? Et allez, je vous souhaite à tous un très bon matin. Merci beaucoup Céline. Merci beaucoup. Hein. Passez un bon moment. Et merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi le raid. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. J'ai pensé à moi, Capons. Merci beaucoup. Donc là, on est parti sur Comedy sur des Sims ce matin. Je vais juste faire un peu de dessin vite fait parce que sinon je vais perdre trop de retard sur mon truc de sabaton là. Je dis c'est chaque palier, je fais un dessin. Et ensuite de ça, on va jouer ensemble. On va sûrement faire soit du Fall Guy, soit du Mario Kart. Donc je sais pas trop encore vers quoi on va se diriger pour après, mais d'abord je vais manger. Les Sims coincés entre plein de travail et meubles du haut. Moi non plus, tu sais que, genre vraiment, littéralement, c'est arrivé comme ça. Je ne comprends pas des fois le jeu, mais. Merci pour ton lurk, merci beaucoup pour ton lurk Capons, et surtout merci beaucoup pour ton raid, ça fait vraiment très très plaisir. Passe une bonne après-midi. MK, mais pourquoi vous voulez...